Yo les marsouins, c'est Tipex, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo assez particulière. On va fêter les 10 ans de la team, les 10 ans du Derima Gaming. Et bah pour ce faire, on a organisé une mission publique. Donc il y a des guests et des invités. Parmi les guests que vous connaissez tous, il y a Master Snaku, Seros, Ragboy, Code 34, qui est un modeur de mode sur Arma 3. Et il y a aussi Dr. Tib qui est là également. Et bien d'autres, et bien d'autres. Donc voilà, au niveau de la team... On est 12 ce soir, il y a Xunga, il y a Fred Marsouin, il y a French Boy, il y a Granola, il y a Iskur, il y a GGX, il y a JM, il y a Oliver, il y a Otak, il y a Ran et il y a moi. Malheureusement, Wolf ne pourra pas être là ce soir et voilà, une grosse pensée pour Wolf. Également, une grosse pensée pour Elville aussi. On pense à vous les gars et Mati ne pourra pas être là non plus. Attends deux secondes. Et Mati ne pourra pas être là non plus. Et aussi, bien sûr, une grosse pensée à notre Faya qui nous a quitté il y a quelques années, un ou deux ans, je sais plus. Merci à tous en tout cas d'être là ce soir. Et là Seros est venu amener sa petite voix. Il est où le père Seros? Ah, commencez pas à tirer. Alors, j'ai assigné en fait mon push to talk avec une touche et ça zoom à chaque fois que je parle, c'est génial. Ah bah, bravo. Bravo. C'est bien, t'as déjà du montage à faire. Ouais, tu parles quoi. Comment il est Seros? Ouais, ça va. T'as pas dit à deux. Bon Seros, je sais pas si t'as vu. Ah si, tu l'as vu, t'es chef de groupe. Ouais, j'ai vu que c'est chef de groupe. Ouais. Bah baisse ton arme, me braque pas, baisse ton arme. tu vas me mettre une... C'est quoi le bouton? Deux fois contrôle, contrôle gauche. Ok, c'est bon. Ça se voit que ça fait 5 ans que j'ai pas joué. Ouais, ça se voit un peu, mais ça va le faire. Mais j'ai peur sur le terrain. Ça va, y'a pas eu de grenade encore. Ouais, bah je vais m'écarter. On va aller voir Ragboy. Où Ragboy? Il est caché? Oh, il caché, ouais. Rack, ah attends, chef, en fait. T'es où? Je t'ai entendu. Regarde, ah il est là, le beau Ragboy. Il est silencieux toi. Écoute, en fait, j'avais un slot déjà de préchargé sur une autre mission, je l'ai gardé. Ça. Bon. tu okay. Peux l'enlever hein, si tu veux. Tu fais ce que tu veux. T'as des JVN en plein jour en même temps. Mais moi, je sais, mais je suis pas tout seul. Moi aussi je pense, non? Ah non, c'est bon. Par contre, j'ai des lunettes de soleil. Et ça, pas grand monde en a. Ah pardon. J'ai besoin des trois chefs de groupe. Donc Snake, Seros et le troisième. Code 34. Code 34. Je crois que monsieur Windows il est en train de faire son équipement. Oh, vous avez vu, hein, on n'a pas pris la responsabilité de l'idée ce soir. Parce qu'on voilà, on voulait vous faire participer et du coup on va rigoler, je pense. Parce qu'il est mauvais. Bah, je peux changer totalement. Donc papa va nous faire après un briefing. Bon, alors, ou alors c'est les chefs de groupe qui vont nous faire un briefing. Je vais aller. C'est les chefs de groupe qui vont redescendre les infos. Okay. Pour l'instant, ouais, ils vont aller chercher les infos et vont redescendre, je pense, les infos. Ok. Je vais faire le mal élevé alors. Je vais aller écouter ce qui se passe quand même. Voilà. Chef. Chef, t'es habillé en américain là, c'est pas bon. Ah merde, ok. Tu prends le camo d'aguet Armament de France, AMF. Les gars, j'ai une question. Les viseurs là, c'est normal qu'il n'y ait pas de viseurs longue portée et que des petits. Ah, tu me fais penser les viseurs. Et y'a rien? Ouais, normal. Faudra que tu dépouilles des cadavres. Attends, ouais. Voler les viseurs et tout? Ouais, si un cadavre et il a un bon viseur, tu peux lui parler. Ouais. Comment? Qui me parle? C'est moi. Ouais. C'est moi, j'ai lancé mon live, je suis en push to talk. Hein. Ok. Je m'entends pas. Ok. Il y a du monde en live ce soir, les amis. C'est bon pour toi? Ouais, c'est bon, y'a pas de soucis, tu peux stream. Bah ouais, mais d'où prendre des ressources, ça va être mon plaisir. T'as payé la taxe. L'armée française débarque en mode mars. Ils ne prennent aucune responsabilité, ouais. Non, on voulait en fait, ça a été voté à Malvé. Hein. La taxe. On voulait faire un stream en fait, enfin pas un stream, un événement où justement c'est pas nous qui prenons le lead. En fait, on est juste en dessous les chefs de groupe, hein. Le Derima est juste en dessous. Et du coup, si ça part dans tous les sens, on va rectifier le tir, même si moi je suis pas le meilleur placé pour l'idée. Salut Banana Coco. En tout cas, ça fait super plaisir. Ça fait un petit moment qu'on l'organisait en fait cet événement. Et vous avez répondu présent pour l'invitation. On voit qu'on est nombreux. Ce que je t'ai mis par terre. Et ça fait plaisir. Il y a un second chef dans votre groupe. Quand le premier est mute. Je vais lead en fait. Je suis en dessous Snake moi. Je suis juste en dessous Snake. C'est quoi ce viseur là, donne. Non. Eh, posez mon arme tout de suite par terre. On va clairement pas être potes. Merde! Elle l'a repris quoi, merde! J'ai pas pu. Moi je vais aller voir papa. Ok, c'est bon.
Et une fois que j'ai fini, je fais quoi? Je fais sauvegarder? Ouais, sauvegarde, comme ça tu pourras le recharger après, Snake. Yep. Et là, je fais juste échappe, c'est ça? Tu fermes. Bon, on a le Master Snaku qui est en train de s'équiper, hein, donc ne vous inquiétez pas, chef. Je m'inquiète pas. Et Seros, appuie deux fois sur le contrôle. Seros, c'est un Américain ce soir. Tu veux pas t'équiper, Seros, ou tu restes comme ça, c'est bon? Attends, attends deux secondes, ils entendent pas, sur le live ils entendent pas en fait le son du T-Speak. Tu fais comment toi? Moi je capture juste le son audio de mon Windows, donc du coup ils entendent tout. Ok, d'accord, je vais te... T'as une carte son toi? T'as mis quoi comme fréquence sur la longue? J'ai mis 80. 81, c'est la fréquence. 81, d'accord. Ah, il faut qu'ils prennent une longue les leaders Ouais, les leaders, ou alors ils désignent quelqu'un pour la porter, après peu importe. Ok, si tu veux, je la prends. C'est leur choix. Mais faut qu'il en prenne une, Seros, alors. Ouais. Ou alors. Dépêche-toi, putain. Ou alors, Seros. Seros. Hey, psst, Seros, si tu m'entends. Ouais, code 34 pour contrôle radio. Oui! Oui. Dis oui. Appelle Ragboy et dis-lui de prendre la radio longue, il connaît. Parce que toi, t'auras la radio courte et lui, il aura la radio longue pour communiquer avec Papa Bière. Ok. Attends, c'est Alt G, c'est ça? Pour la radio, Ctrl P. Ctrl P pour la courte, hein, mais. C'est quoi la longue? Alt P pour la longue. Non, tu m'entends là? Ouais, c'est moi. Snake! Attends. Il est où, Snake? J'ai plaisir de t'entendre. Snake! Non, y'a pas de fauve sur Arma. Qu'est-ce que tu deviens? Comme avant. Parce que j'ai dit de plus. Non. Ouais. Tu sais que t'as attendu depuis un quart d'heure là-bas chez Papa Bier pour le lead. Ragboy, tu m'entends? Putain de merde. Attends. Les gars. Snake, faut juste que. Snake, baisse ton arme. Baisse ton arme. C'est où? C'est là-bas? Attends. Bon, Snake, juste un truc. Ah, il est excité. Il faut que tu le calmes. Je vais chercher une longue, papa. Comment, une espèce de truc d'arsenal? Biscure? Ouais. Il faut qu'on prenne une longue parce que Snake il va pas gérer la radio longue. Ah, ok. Tu la prends? Ouais. Ok, la fréquence sera 80 ou 82. Alors attends, j'ai noté. La radio longue chez nous. Ça va peut-être être un peu lourd. Ouais, Xunga. Xunga. Oui. Seros là il s'est pas équipé, à mon avis, prendre la longue. Hein. il faudra un chef de. Ouais, je sais pas qui est le chef après. Attends, c'est qui vous? Ragboy, Ragboy, t'es là? Ouais, Rag, sinon s'il peut prendre. Tu peux prendre la radio longue, tu maîtrises le double canal? Ouais, bien sûr, ouais. Ouais, parce que Seros, ton leader, ça fait 5 ans qu'il a pas joué à Arma. Ah, d'accord, okay. Tu vas devoir l'accompagner, Rack, je pense. Ah bon? Ouais. D'accord, ok. J'ai mon équipe quand même ou pas? Oui, t'as ton équipe, mais. Ouais, t'as ton équipe. C'est ma famille. Et quand tu cliques sur Vest, t'as les mines à droite. Il est encore bon. Il a oublié ses munitions. T'as un silencieux de commandeur, s'il te plaît. Merci beaucoup. Ah ouais, mais par contre, j'ai tous les chargeurs. Je sais pas si on voit. Ah, on se voit pas sur la carte. Oh là là, ça va être sympa. Minfield. Y'a un briefing ou pas? Non, je regarde, la radio elle est pas cool, on peut rien y mettre dedans. Ah, dans le sac? Ouais. Tu peux mettre un grec si tu veux dans la radio. Même pas une banane. Ouais, je suis là, les gars, je suis là. Désolé. Ok. Donc, Seros est en train de terminer de s'équiper. Donc, les chefs de groupe. Attends, je te coupe juste, papa. Pour info, ouais. Seros, Ragboy a pris la radio longue dans ton groupe. D'accord. Mais il faut qu'il ait la courte aussi. Oui, il a la courte et la longue. D'accord. Ok. Ah ouais. Donc, c'est bon pour vous trois, vous êtes équipés? On va écouter le briefing. Ok, code 34, c'est bon. Ah, pas plaisir, je peux te permettre un petit commentaire? Je trouve que ta coupe te va ravir. Commence pas à me draguer dès le début du jeu, ça va le faire. Après, je vais plus savoir où je vais en être. Ouais. Parce qu'en fait, tu me brosses dans le sens du poil, comme ça, tu m'envoies pas dans le charbon, tu vois. Tu me laisses dans des trucs cool. Ouais, mais ça marche pas. Eh, franchement, je vous le dis du fond du cœur, mais vraiment du fond du cœur. Ça fait super plaisir de fêter les 10 ans. Voilà, comme je l'ai dit tout à l'heure, je suis juste dégoûté que papa et. Enfin, que. Wolf et Evil ne soient pas là. Alors, une pensée pour Faya. Et Mati, il a pas répondu présent, mais bon. T'es désigné pour
relever un, okay, un groupe de combat qui est sur un poste pour moi et des soins pour moi, parce qu'avec la radio, s'appelle le Checkpoint Charlie. Boy, j'ai 30 chargeurs, donc je on a été désigné pour aller les relever, pour monter la garde sur ce checkpoint et contrôler les mouvements de population. Donc, vous prenez un VAB par groupe. Vous embarquez tout votre personnel dedans. Bienvenue à toi, Herbe de Dieu. Merci pour le follow. Vous êtes prêts, je vous donne le top et on part sur la route. Direction le checkpoint Charlie. Vous recevrez vos ordres sur place pour l'installation. Okay, donc là, rien de compliqué. Mais bon, vous avez sur la map, vous avez vu où il était le checkpoint Charlie. Alors, il me faudrait des stanag jaunes. Sur la map. Donc, pour la map. Au nord. J'ai quelques. Au nord. Snack doit nous faire un briefing après. Charlie. Ouais, avec c'est bon, ça. Ok, avec trois petits avec des champs de mines aussi. Et des champs de mines, ok. Donc les champs de mines sont actifs, hein. Donc si vous allez vous balader dedans, vous êtes sûr de vous péter la gueule. Okay. Et est-ce que les champs de mines, on les voit, enfin, est-ce qu'on voit les mines ou est-ce que c'est un non. peu en mode. Non, tu sais que dans ce carré-là, il y a des mines. Si jamais tu vas te balader dedans, tu. Mais papa, comment je fais pour savoir si je suis dans le champ de mines ou pas? Bah, t'as une map. Envoie Tipex. Faut rester sur. Ouais, moi je reste sur la route là, je reste sur la route, sur la map, je reste sur la route. C'est quoi GPS? C'est quoi la touche GPS? Il est comme moi. C'est contrôle virgule. Contrôle virgule. Non mais fallait pas leur dire. Ah, pardon, non, c'est pas grave. Ah ouais, bon, bah ça doit être reconfiguré. C'est pas grave. Juste, papa, c'est quoi la radio longue portée, la fréquence? 81. 81, merci. 81 et 103 pour ton groupe en courte. C'est noté, merci. C'est Ross, c'est lui qui va t'accompagner, c'est Ragboy. Ok, donc c'est bon pour vous, vous avez... Non, je pense pas, Tibidé, je vais voir, mais il y aura une vidéo sur le débarquement, mais... Oui, pardon, vas-y, Sirot, tu veux dire un truc? Oui, alors... Je pense pas pouvoir stream. Je vais prendre deux radios, et dans l'arsenal, j'ai trouvé qu'une seule radio, en fait. J'ai pas la radio noire, j'ai que la radio verte. Non, mais c'est pas grave, toi, t'as une petite radio, ça suffit. Ah d'accord. Okay. T'as Ragboy, il est une grosse radio. Une grosse radio. Non mais Ragboy, il est à la bon, main. Bon, t'inquiète, j'ai la radio pour toi. Il te servira de, okay, nickel, il servira nickel, de radio. Super. Donc il fera, tu, il fera le relais la radio entre, pour moi, c'est cool. C'est ça. Il fera c'est le relais entre moi et toi. Allez. Ok. Donc eh ben, les chefs de groupe à vos ordres. Juste une question, papa. Oui. Il y a du respawn, je suppose. Il y a du respawn. Quand vous respawn, enfin quand vous respawnez, c'est sur le drapeau qui est ici au milieu du camp. Ok. De toute façon, je pense que tu as donné l'information au chef de groupe qui doivent nous la transmettre, c'est ça? Voilà. Non, okay. Je n'aurais pas donné. Ah d'accord. Bon, voilà. On va la transmettre alors. Fait. Attention, par contre, les véhicules, il y en a un nombre limité. Donc, il y a que ce que vous voyez là sur la map. Si vous pétez tout, après c'est à pince. Oh punaise. J'ai une question. C'est VAB non armé ou armé? Qui parle? Non armé. Qui dit moi, oui, non, blanc, avec les oui, non, mais d'accord, mais tu t'appelles comment? Lucas Toretto sur. Ok, bah regarde le VAB, tourne-toi, regarde le VAB. Non armé, c'est bon. Bon voilà, t'as la réponse. Observation, c'est génial. Hey putain, génial. T'as de la chance, hein, parce qu'il aurait pu te renvoyer bouler, hein, t'es un GV, mec. Hein. T'as la réponse. Ça, je sais. Ok, donc les chefs de groupe en avant, parti pour vous. Ouais. Monsieur, s'il te plaît, je dois te dire un truc. Ok, vous pas le faire, on va à côté du VAB là. Ah, oh, c'est sympa ça, on peut prendre une douche ici. Tipex, faut faire quoi en fait, j'ai rien compris. J'ai rien entendu. Non, mais j'ai pas écouté le briefing, moi je suis arrivé après. Oh putain, merde. T'es sérieux? En fait, fallait à Charlie, mais je sais pas ce qu'il faut faire à Charlie. Les gars, faut faire quoi les gars? Non, mais personne n'a entendu. Alors attends. Je connais pas moi, j'étais pas là. Oh putain. Merde, la radio. Bah, je crois que mon chef, moi, c'est Tipex. Ok. Attends, Snake, je vais en demander. Juste, vous avez réglé la radio, vous avez réglé votre radio en 102, ok? Ouais, 102. Test radio, bravo, 102, vous nous entendez? Oui. Ok, on se regroupe, là, côté est du camp. Tipex, tu me reçois? Oui, reçu. Vas-y, on t'en reçoit. Snake, faut qu'on redemande à papa vite fait, alors. Ouais. Ok. De ouf. Iskur? Et oui, ouais, là, tu restes là, on arrive. Okay, ou, ouais. Si tu veux, tu viens avec nous écouter le briefing parce que Snake, du coup, l'a pas entendu. Ouais, écoute. En fait, non, attends, mais je sais qu'il faut aller à Charlie. Il faut aller à Charlie, ouais. Là, au nord là. Et il y a un champ de mine, il faut genre tenir la position, mais je sais pas ce qu'il faut faire exactement. D'accord. Genre, ouais. Charlie. Nous, c'est Charlie, notre groupe, c'est ça? J'ai ma petite idée, moi.
Bah ouais, nous c'est Charlie. On doit aller, les gars, on doit aller au checkpoint Charlie et attendre les instructions. Ah ok, bah c'est bon alors Snake, c'est bon. On doit sécuriser sur Mind. Hé Lolo, tu laisses le chef parler, s'il te plaît. Il faut un peu de RP quand même, ou hein, on est d'accord. Les gars, c'est qui le chef ici? C'est toi. C'est toi. Okay. Non, après en dessous toi, Snake, il y a Iskur et... Moi, j'ai le groupe 300. Donc, dans mon groupe, je te dis. Dans mon groupe, j'ai... Merde, j'ai pas le truc. Ah, si. J'ai Lolo, j'ai French avec moi. Et j'ai Vodka Yann. Et Iskur, il a Kill Ab et Chris Axe. French, ouais. Il est où? T'es là, French? Je suis là. Ah, ok, je t'avais pas entendu. Et moi, je suis dans l'histoire. Toi, t'es avec nous? Tu te déplaces avec nous, mais en gros, tu nous envoies un peu au charbon de temps en temps. Mais en gros, t'es avec nous, hein, t'es pas... Mais attends, parce que moi, tu es chef d'équipe, mais j'ai qui sous mes ordres? T'as les deux groupes. T'as 300 et 600. En fait, t'as deux petites escouades à tes ordres. Donc, si tu veux... J'aimerais pas avoir des responsabilités comme ça, ouais. Si tu veux nous séparer, nous envoyer à gauche ou à droite, tu vois ce que je veux dire, quoi. C'est toi qui fais. En gros, si on meurt, c'est ta pression. C'est ça. Les gars, j'ai une pression énorme. Comme avant, t'es en GoPro. Kenny, merci pour le sub. Ah, c'est Agonos qui a offert le sub. Merci les deux. Attends. Merci à vous deux. Il est encore pour Hero 8, t'inquiète. La radio du ça, groupe, là, c'est qui? C'est qui le qui a Iskur. C'est moi. Iskur, ton indicatif radio vers 2. Ok. Vers 2, les autres groupes vers 1, vers 3 et moi vers. Bon. Okay. Ok. Papa, juste pour le petit briefing là, on va sur Charlie, on attend les instructions là-bas. C'est ça? Exactement ça. Je vous donne le top du départ. Hein. Vous embarquez dans les vapes. Dès que vous êtes prêts, les chefs de groupe vous rendez compte et je vous donne le top départ. Ok. Merci. Non, ça va, Snake, t'avais bien suivi alors. Ouais, bah non, mais tu sais, moi j'ai un peu laissé le rêve partout, c'est important. C'est genre, car si t'as besoin de mun, j'aurai des muns en stock. Les gars, je suis comme j'ai pas de cadeau. Moi aussi, j'ai 40 chargeurs. Alors, Tipex, rapidement, 300 et qui dans 300? Alors 300, il y a moi donc qui est en chef d'équipe, il y a Lolo, French et Vodka. Donc on est le premier groupe, et après dans le groupe 600, c'est Iskur le chef d'équipe. Et qui avec lui, il y a Killab et Caprisax. T'es là, Killab? Killab? Attends, on est combien là? Parce que ça se trouve... On compte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Killab et qui d'autre? Chrisax? Ouais, Killab, c'est moi. Ok, il manque Killab. Lolo, tu vas aller avec le groupe Discur, tu seras avec 600. Ok. Ok. Bon, c'est bon, okay. Snack, et ça te va. Seros, il est où dans l'histoire? Seros, lui, c'est l'autre chef de groupe, il est dans le groupe Charlie. Oui. Ok. Il est comme toi, on l'a mis en... Je vais mettre en minimi. Ok, c'est vrai qu'on a quoi. Vas-y. Ouais, moi j'ai pris lourde, mais bon. Je sais pas si on aura besoin d'AT, je vois que Snake t'a pris le tien. Ouais, j'ai pris bien, mais en vrai, je pense que je vais vous le passer en fait. Bah, si tu sais t'en servir, ça va. Attends, je vais voir comment ça marche. En gros, la vraie question. Merci Yoran pour le follow. On a dépassé les 4000, les amis. Le blue vers les nuits. Oh, c'est ça. Ok. Et là, ça doit être. Tu te lock avec T normalement, Snake. Celui-là, je crois. Okay. Iskur, tu confirmes? Ouais, okay, ouais, c'est T, ouais. Elle lock pas le VAD, hein, le VAB. Pas d'admission, c'est tout le monde est mort. Reculez, les gars. Attention au blast derrière. Tu vas chercher un VAB, Tipex? Okay. Bah attends, en fait, on va rentrer à l'intérieur et faut qu'après, dès qu'on est tous à l'intérieur, faut que Snake dise que c'est ok. Par contre, juste un truc, si vous mourrez, vous allez au drapeau. Et vous pouvez donc. Respawn au drapeau, alors je sais pas si. Y'a un problème? Ouais. Y'a pas de chargeur de minimi sur les chargeurs? C'est dans les vestes, je crois. Ah oui, bah oui, même quand tu es dans le sac à dos, y'en a pas. Ah y a ouais? Y'a que du sac 50. Ah, parce que t'as pris un slot GV? Oui. Ah, t'as la mauvaise classe. T'as pas le bon slot. Ouais, mais papa il m'avait dit que les slots ils étaient pas configurés donc. Ouais, mais bon, c'est Arma, tu sais. D'accord. Ah, du coup, je vais faire Docteur Lobby et revenir quoi. Non, bah prends pas de minimi. Hein. Une HK, hein. Ouais, on prend une HK. Moi j'ai pris une HK 117. Ça suffira. J'étais en 600, donc j'avais pris une lourde. Et ouais, donc on peut respawn au niveau du drapeau si jamais on meurt. Et au niveau des véhicules, c'est ce qu'il a dit à papa, ils sont restreints donc il y en a pas beaucoup, il y en a que 6. Si on les pète, on termine à patte. Hein. Ouais, de toute façon, okay. C'est. Et c'est le drapeau que tu parles en face là? Ouais. Ouais, le drapeau bleu là. Ok. Au milieu de la base. On se voit pas sur la map, donc faudra bien suivre où on est. Ouais, okay. Ouais, faut bien checker la map, ouais. Ouais, c'est... Ok. Y a pas un système de brassard ou quoi? Y a pas de brassard sur le jeu? Ouais. Ah, on est parce que c'est chouette.
Non, même pas, mais même en vrai, tu sais, y a des sortes de brassards. Non, mais tu sais, avant, c'était au niveau du casque. Derrière le casque, ouais. T'avais les couleurs. Sinon, nous, on fait t'avais la squad en flip, on se met tous en slip. Ah ouais, en quel bar, ouais, quel but. Ouais, comme ça, on se reconnaît tous. Ou son sac. Je suis pas sûr que le commandement, il accepte. Sans quel bar, on peut être les... La squadron nudiste, les... Ok. Chrisax, tu peux piloter le VAB? Ouais, j'ai pas de longue. J'ai pas de longue. Ouais, nous on a tous des courts, t'inquiète. Ouais, moi j'en ai une. Mais... Il y a Snake qui a privilégié avec French. Prenez-moi. Snake, il peut me prendre une ou deux roquettes, s'il vous plaît, de dater. Ah, je crois que j'ai de la place. Attends, je regarde. J'ai rien. Okay. J'ai rien. Vas-y, j'ai rien. Prenez-moi genre 6-7 roquettes, s'il vous plaît. Il est au top. Ah oui, c'est moi. Ah merde. T'es là où mon frère. Eh, au tac. De la liste. Désolé, mec. Mais je suis là, t'es pas très bruyant. Mais mec, je suis là. Une personne encore et on part. Attends, mais je peux pas lui prendre de okay. Missile, je peux. Missile. C'est ça, hein. C'est les missiles de okay, PC. Bah, vous voyez les véhicules qu'il y a derrière. Je pense qu'on peut les prendre. Il nous a pas assigné particulièrement. On peut partir dès qu'on veut. Bon, ok. Ok, French boy. Okay. Non, mais c'est pour pas au voir, comme j'ai pas les noms dessus, tu sais. Genre, du coup, faut que je. Vous êtes prêts? J'ai reçu. On m'a dit de monter dans les VAB. Ok. D'accord. Vas-y. Alors, j'ai une petite question. Comment on marche dans le jeu déjà? ZS en même temps, Snake. Ctrl C, j'ai peur, notre chef demande comment on marche. C'est Ctrl C normalement. Ctrl C, Ctrl C, bah, moi, ah, pardon, ouais, j'ai dû changer moi là. Si je suis comme sur Arma 2. De base, c'est Ctrl C normalement. Ouais, je suis d'accord. Est-ce qu'il y a la stamina? Vert 3. Les gars, trop parasites. Oui, t'as la stamina, du coup, si tu perds beaucoup de choses, tu vas être fatigué. Bon, bah écoutez, Charlie 3, Vert 3, let's go, embarque. Ok, ensuite, Bob il est pas là. Il y a Code 34 là-bas qui live et là-bas il y avait Seros qui lead. Enfin, qui live, qui lead. Comme la plupart du temps, ouais. Pas Chrisax qui conduit. Ah oui, je suis derrière, j'arrive. Ils sont beaux nos VAB. Merci à Arma Mode France. Hein. Ouais, merci. Ouais. C'est quoi? Puis qu'on entend de les VAB. Ouais. Ah ouais. On doit rentrer dans le véhicule, chef? Bah, moi je suis rentré, hein. Ah bah. C'est quoi, j'étais en train d'appuyer sur F pour rentrer. Pff, oh là là. J'étais comme ouais, sur Skitam, ouais. Vous avez pris votre gourde, c'est bon? C'est bon, moi aussi ma gourde. Oh là là, trop joué à squad et EPS. Oh, j'ai une fenêtre. J'ai une fenêtre. J'ai un copilote, c'est ça? Tu peux t'exploser ouais, normalement. Ah voilà, je suis bien, j'aime bien voir où je vais. Par contre, ça me rend mal, démarre le moteur. Ah, tu vas en avant. Ok, y'a pas besoin d'appuyer sur E, ok. Tu préchauffes les bougies, puis tu lances. C'est ça où il faut une petite clé à l'arrière et puis voilà. Merde, je suis monté dans le mauvais VAB. Les gars, on commence dans un faire grimper. Voilà, je suis bloqué ou quoi? Attends, je suis bloqué. Qu'est-ce qui se passe? Eh les copains, vous m'entendez? C'est sûr, ça envoie pas un missile. Non, un missile, j'en ai pas. Spex, t'es bloqué? Ouais, je suis bloqué, vous m'entendez? T'es bloqué où? Bah, je suis monté dans un VAB, c'était pas le bon et du coup là, je suis bugué. Ah, j'adore Arma. Tu veux que je te pousse? Les joies d'armes. La squad de la 7ème compagnie. Les joies d'Arma. Mais Tipex, t'es où, gros? Je suis là, tu me vois? Ah, attends, faut que je vous l'arrière, attends. Non, mais monte pas, tu vas être bugué, Snake. Monte pas dedans. Non, je te vois pas. Je te vois pas, non. Bah, attends, faut que je déco Rocco là, vite fait. Ouais, c'est bon. Préviens les autres. Ok. Merde. Ah, putain. Il y a marqué sortie et éjection, donc au pire, si je peux pas. C'est qui? GGX, c'est toi? Ouais. Qu'est-ce que tu fais là? Bah en fait, vu que ça marche pas. Ouais. Bah j'entendais tout le monde, mais quand je dis tout le monde, c'est tout le monde. J'avais pas de radio en fait. D'accord. Merde, du coup j'ai switch. Non mais ça va le faire Agono, je vais revenir rapidement. Ça va le faire. Heureusement qu'il n'y a pas le one life. Hein. J'arrive. Charger. Fais voir mon équipement vite fait. Vas-y, je jette ça par terre et je vais juste prendre des roquettes pour Snake. Je pense pas qu'on en ait trop besoin, mais bon. Attends. Négatif, Tipex a du déco, il avait un problème avec un VAB, il était bloqué, il se reconnecte. Je suis là, je suis... Oh merde, la radio.
Ok. Vous me recevez? Mafi. Ok, j'arrive. Vous êtes là, c'est celui-là, c'est le premier, le nôtre. Oui, oui, c'est moi, là. Coucou, regarde. On monte à l'arrière. C'est quoi le nom du grand chef, là, chez nous? Oh, grand chef. Ok, c'est bon. Je suis à l'intérieur. Tu t'es fait dégâts par le VAB, alors? Bah écoute, La vengeance de l'hélicoptère. Ouais, je sais pas, y a une place qui doit être buggée dans le VAB à l'arrière. Tout le monde est monté. Snake, t'arrives à monter ou quoi? Snake, molette, molette. Ah, je suis pas dans le bon VAB, moi. À l'arrière, molette, et tu fais monter. Ça a l'air compliqué. Tout le monde est monté dans le VAB ou pas? Pas encore, je suis en train. Happy. Tu veux que j'ouvre les portes à l'arrière pour que ça fonctionne? Non, c'est bon, tout le monde est monté là. Tout le monde est là, dans le VAB? Ouais, on peut y aller, je crois. Ouais. Ok, je transmets. Ah là, on est prêt pour le 14 juillet. Hein. Verde. On est d'accord, c'est bien le VAB, bravo. Affirme, vodka. Qui prend un peu dans le VAB. Parce que je vais démarrer, je vais partir, je vais rien comprendre moi. Qu'est-ce qu'il est beau, Tipex. Merci Jeff Pitex, merci pour le follow, bienvenue à toi. On peut dépasser le VAB. Reçu fort et clair. Reçu fort et clair, pareil. Parfait, merci beaucoup. On voit qu'il a la pression. Encore une fois, bravo, bravo de suivre, merci beaucoup. Merci Monsieur Blackbird, merci pour les 5 matchs. Snake, merci pour les follow. On t'entend. Ah, c'est bon. Merci Black. Merci toute sa famille pour il parle à guerre, c'est. Ouais. Merci au VAB. Sur le pilote, là, tu peux démarrer le VAB. On attend le... Oui, tu peux. Chauffeur, démarre le VAB. C'est qui le chauffeur? Tu sais que tu peux démarrer un chauffeur, hein? Tu peux démarrer le moteur, hein? Pourquoi vous voulez la clim ou quoi? Non, mais on peut se mettre. Place-toi derrière l'autre VAB à l'extérieur. Ouais, c'est ce que j'ai entendu. Ouais. Ah, ok, bah désolé, bah, j'entends pas les autres. Ah, ça va être trop brûle, Bab. Bon, toi, t'as enlevé le silencieux ou quoi? Bah, ouais, j'ai. Ça pour aller. N'oubliez pas, hein, quand vous ouvrez la carte, vous regardez bien au niveau de Charlie, il y a des mines sur la route, donc on reste bien sur la route. Enfin, à l'extérieur de la route. Reçu. Si on fonce sur les mines, on explose. Il y en a beaucoup. Donc on reste vraiment sur la route. Reçu. Et quand vous ouvrez votre map, il y a 3 carrés. C'est la disposition des 3 VAB. Donc on prendra la dernière, je pense, nous. Moi, je le vois. Ah oui, je vois. Le carré noir. Affirme. Christax, oh. tu suis la route pour l'instant. Ok, tu me dis. On est parti, les copains. On est parti. Un beau VAB, ça fait plaisir. Pire, si je vois un camion de la route, je m'arrête. Pour l'instant, tu suis le premier VAB. À part s'il sort de la route, tu le suis pas. Ok, on se... Ah, on est prêt à partir. Il y a du monde en face. Rendez compte, reste pas sur la route. Va à droite ou à gauche, à le rocher, là. Voilà. Snake, on attend les ordres. Ah, vas-y. On sort ou quoi? Sortez. Moi, je me mets sur une position de caillou pour faire suppression. Contact au nord, nord-ouest sur la route. Donc pour info, c'est Papa Beer qui... Ripostez. Reçu, chef. C'est Papa Beer qui s'occupe du Zeus, ça. Contact 340. Oh là, il est dégueulasse, mon viseur. Est-ce que vous, il y a du mouvement? A droite dans le village, les gars, ça tire. A gauche dans le campagne, les gars, à gauche dans le campagne, il y a des carnets. Vous faites attention à. Faites attention au nord-est, on a un VAB allié, hein. Nord-est. Qui est blessé là? Je répète, à nord-est, on a un VAB allié, faites attention.
Ça va, Snake? On peut balancer la fumée ou pas? Attends, on est où là? On est bloqué ici? Non, négatif là, on veut bien. Non, non, pas besoin là, mets-toi à couvert dans le rocher. Alex, bienvenue à toi. Bon, c'est bon, ça check les 6. On a des contacts aussi hein, dans nos 6, hein, mais il y a un groupe qui s'en occupe. Hein. On est là. On est là. On est où, Snake, là, tu penses, là? Je vois pas les rochers sur la map. On est exactement. Je vais donner la position. On est. Je pense pas que c'est ennemi. Appuie sur Alt, tu peux dessiner normalement sur. Écoute-moi, ouais. On est 0,45-0,25. Tu les vois, moi je les vois pas. Bah, toi les rondins, il est là, rondin, et on a des potes qui tirent dessus. Je suis pas sûr que c'est. Non, mets-le, faut que tu mettes en canal. Canal camp. Canal camp, ouais, canal camp. On est là. Bah, j'attends que ça décale et je vais tirer. Ok, donc on est pas loin des mines alors. Exact, oui. Les mines sont vraiment pas loin. Ok, faut. Mec, tu me vois, est-ce que tu vois mon point sur carte? Ouais, on voit le point, ouais. Allez, coupe pas à côté. C'est le mode des messos, non, c'est. On essaie de. Comment dire, d'aller sécuriser le point Charlie. On remonte dans les VAB, on essaie de passer par la gauche. On essaie de passer par la gauche et. Et d'avancer petit à petit en fait. Parce que le problème. Tu veux qu'on aille. Qu'on passe par le compound à gauche là? Affirmatif. À l'ouest? Exactement. Ok. Ok, ok, bah je vais prendre la place de la couverture des gars. Ok, Snake. Donne tes ordres à la radio, grand chef, quand tu donnes des ordres. Les gars, je monte en dernier, je vous couvre. Tu penses qu'il y a de la perte de l'autre côté? Ah, négatif. Les gars, je vous couvre. Bon, viens, on décroche, on va sur le véhicule. Est-ce que t'as des coms avec avec le commandement ou pas? Et les autres leaders, t'as des coms avec les autres leaders? Ouais. Parce qu'il y a un VAP qui est parti nord-est. Hein. Ouais, apparemment l'équipe de Rack Boys ils ont un problème de TS là. Ah merde. Ouais, j'ai vu beaucoup de déco dans TS. Hein. Ouais, la fille, ouais. Ah ouais? Vous aussi? Ouais, j'ai pas réussi à couper le son et du coup j'ai entendu plein de déco là. Ah ok, rip. Non, moi j'ai pas d'accord. Okay. Ouais, je pense qu'ils sont 6-7 à avoir déco. Ok. XBen13, bienvenue à toi. Tu veux qu'on tourne sur la gauche, c'est ça, Snake? Qu'on passe par le campan de. À notre nord-ouest? Mais est-ce que tout le monde est là, Tipex? Attends. Embarquez, Lolo. Embarquez, Lucas. Tu veux que j'avance droit devant, c'est ça? Embarquez dans le VAB là. En gros, en fait, on va prendre position sur le mur là, du compound. On sécure le compound. En gros, on prend position dans le compound et après, à partir de là, on voit comment on évolue sur Charlie. Faites gaffe, je répète, les gars, entre le compound et Charlie, il y a des mines, ok? Donc vraiment, ne vous baladez pas n'importe comment. Faut vraiment contourner à l'ouest, ouais. Absolument. Donc là, tu prends genre à tes 11h là. Genre, vu comment t'es dirigé devant, c'est midi, prends à 11h, 10h, tu vois? Et tu contournes bien et tu nous ramènes en fait sur le mur sud du compound. Donc là où tu vois l'ouverture. Tu vois le petit trou là? Ouais, je vois une ouverture devant moi, ouais. Voilà. Je vais à gauche. Tu nous mets sur la gauche de cette ouverture, ok? Ok, reçu, ouais. Et faites gaffe, les gars, au-dessus, faites gaffe parce qu'il se peut que sur le flanc ouest qu'on ne voit pas là, donc le flanc de gauche là-bas du compound, il peut y avoir du contact. Donc faites gaffe quand même, tu vois. Genre quand vous arrivez. Ah oui, sûrement, je vais être traité en 300 aussi tout à l'heure, donc. Ok, dans le milieu. Ok, pour bon, info, il y a. Roger. T'as des couilles en plein OP. Comment ça se passe là? La mèche du coup. Vas-y, on est parti, Chris Axe. Ouais, pour info, vers 3, on retourne à la base pour récupérer ceux qui ont déco. Ensuite, à gauche, Chris Axe. À gauche, Chris Axe. Arrête-toi. Attends, il y a des rochers. Mais pas, contourne les rochers. Mais mettre des mines partout ici. On en a qu'à distance, mon gars. Voilà, et maintenant tu peux faire la droite. Maintenant tu prends la droite. Très bien. Pose-moi le point. Eh, Snake, les habitudes elles reviennent vite, hein. Y'a du monde dedans, y'a du monde dedans. Ouais, peut-être l'intérieur.
On est là-dessus. On est là-dessus. Prépare intérieur. Prépare. Surtout, n'allez pas nord-est, d'accord? Ne passez pas plus loin que le compound. Hein. Bien joué. Ok, je suis rentré les gars. Je suis. Ok, je passe à droite. Il y a au moins un pack dans cette maison. Moi, si il y a un mec avec moi, je prends un mec. Salut, Room. Bâtiment clair. Vas-y, j'arrive vers toi. Ah merde, j'appuie sur ça pour changer de mode de tir, moi. Je suis. Ok. Première pièce clear. Et de la chicha. Ok, c'est nous. C'est bon. Un bâtiment clair. Campant clear, Snake. Tous les bâtiments sont clear. Tout est clear, les gars. Ils allaient en cours ou quoi là? C'est bon, c'est clear, Iskur. Ok, reçu. T'as dit quoi, les vers 2. Vas-y. Juste une question pour soigner, c'est quelle touche c'est pas. C'est la molette, molette, toujours ouais. Molette. D'accord, ok, d'accord. J'ai pas dû être touché là. Vers 2. Vous avez entendu quand j'étais touché info, ou pas on a pris la... Attends, il se curie comme radio là. Les maisons en coordonnées 043 026. Putain, Snake il est parti loot comme sur Escape. Grave. On peut pas ramasser les Snake, ça sert à rien, tu peux pas revendre les armes. Non mais je t'entends okay, pas. Ok, bien pris. T'as dit quoi? Ça sert à rien de prendre les armes, on les revend pas, on est pas sur Escape. Hein. Non mais grave. Mais t'es con quoi, mais des fumis. Moi j'ai tout pris. Ouais, je suis là. Ouais. Pour info, Snack. Attends, Snack, il y a les infos du commandement là. Ouais, dis-moi, j'écoute. Alors, on reste sur place en attendant vers 3 qui va nous rejoindre. Ok. Roger. T'es fou, chien. T'es reçu. Mais du coup, vous avez entendu quand j'étais. Je m'étais pris une balle ou pas? Bah, tout à l'heure, oui, mais pas là. Ouais. Ah, mais tout à l'heure, vous l'avez entendu. Ouais. Du coup, on fait quoi? On sécurise le bunker, enfin le compound. Vers 3, c'est bien pris. En vrai, là, le compound, il est clair. Là, on est, c'est clair. Ouais. Ouais, mais ça peut revenir. Hein. C'est l'extérieur, ouais. Ouais, mais ouais. Maintenant, j'ai un audio là. Véhicule. C'est allié. Les gars, j'ai une question. Comment vous faites pour dessiner sur la carte? Vers 3. Tape sur contrôle, Snake. Contrôle, ouais, un truc comme ça. Tu te mets en mode canal camp là, tu te mets sur contrôle. Ouais, tu choisis le canal et puis comme ça on peut le voir. Ouais, c'est vers 3, du sud. Ok. Wow. Okay. Ouais. Par contre, Snake, là, je pense que le mieux c'est de sécuriser la zone à 360. Juste un truc, parle à la radio hein, si t'as des coms. Ouais, vas-y, je t'écoute. Mais Tipex, genre quand je parle à la radio, je parle avec qui à la radio? C'est que vous? Que nous. Ah, oui, c'est Escure qui a la longue. Okay. J'ai entendu du. Tier. Ouais, du coup, Escure, il entend. Est-ce qu'on entend les deux? Ok. Ok, les gars. Ouais. Ah, c'est les potes. Vers 3. Ah ouais, j'ai eu peur. Ouais, non. Je suis des amis. Ok, les gars, écoutez-moi. L'objectif, les gars, c'est d'aller quand même sécure le checkpoint Chardy, ok? Donc le truc, c'est que là, actuellement, là où on est nous, actuellement, bah, on l'a sécurisé, mais il faut quand même. Est-ce qu'on avance sur Chardy ou pas, du coup? Attends, Iskur, il a reçu les ordres du commandement, il a dit pour l'instant, on attend vers 3. Ouais, c'est ça, on attend, ouais. Parce que je crois qu'il attend, ouais. Et du coup, il faut faire une sécu. C'est le troisième groupe, Charlie. Nous, on est deuxième groupe, vers 2. Bah, ce qu'on fait, les gars, ce qu'on fait, c'est que je veux des mecs postés aux quatre coins du compound
Et je veux avoir, si jamais vous remarquez le moindre pecno, vous faites des com radio. Vous faites une com radio, ok? Ok, d'accord. Je vais venir à toi. Vous faites des groupes de deux, les gars. Ok. Et juste un truc, Snake, toi c'est pareil, si t'as des ordres à passer, n'hésite pas à parler radio. Ouais, ouais. Ah, mais c'est bon à savoir, du coup c'est Iscure en fait qui envoie les commandements. Iscure il a les communications avec le commandement, donc du coup c'est. Voilà, tu vois, il en a encore une là. Ok. On a pris position toujours sur la même zone. Ça va aller, t'inquiète. Il y a du contact là. Azimut. Azimut 230 nord. Ouest. Arrive ouest. On a des blessés là? Non, on est négatif. Afi, on a un blessé. C'est qui? T'en as même pas de médecin. Kayam blessé. Ouais, j'en ai pris une sur le toit et je sais pas si on a un médecin. J'ai du métos. J'arrive. Ouais, mais est-ce que t'es médic? Attends, je vais aller voir. Parce que moi, je crois que j'ai pris. Non, j'ai pas pris médic. Bon, info Snake, on a un homme au sol là, on va essayer de le relever. Je peux pas. Ouais, c'est ça, t'as pas la classe médic donc ça marche. Attends, fais voir, je sais pas si j'ai. Vas-y, je mets carte de l'os si on se prend des billes. Moi je peux placer une charge sur lui si vous voulez. Ouais, c'est sympa, mais. Non, je peux pas le relever pas non plus. En fait, personne a pris la classe médic. Mais si, moi j'ai pris médic, mais. T'as peut-être pas pris les sacoches. Pris une touche de secours. J'ai du matos médic si tu veux, Tipex. T'as quoi comme matos? Il est où? Trousse chirurgicale. J'ai du trousse médicale, premier secours. Vas-y, on va. Viens dans la. On va descendre parce que là ça va bugger sur le toit là, viens, on descend. J'ai mal. Bouge pas, Yann. Ah bah ça risque pas. Non mais. Partez je suis là. Ouais, je suis là. En bas là. Trousse médicale. Ok, c'est cool. Tu veux du premier? Ok, merci. C'est vrai que j'ai pas pensé à prendre, j'ai pris médic, mais je crois. Ouais, j'ai ce qu'il faut en premier secours. Je crois que j'ai pris médic, hein, il me semble. C'est bon, bien joué, Lo. Attends, ça bug un peu là, je sais pas pourquoi. T'as dit quoi? Non, je dis bien joué. Allez, t'as rien. Heureusement que j'ai pris médic aussi. C'est l'habitude! C'est l'habitude. Écoutez. Ah, c'est bon. Je pense que c'est un misclic. Ah, merci, les gars. C'est bon, j'ai soigné notre homme. Ah. Bon, il n'y avait pas grand chose, il s'est relevé vite. Hein. Faites attention, hein, n'oubliez pas que. Bon, là, je vais faire le hors RP, de toute façon, c'est pas trop RP, mais n'oublie pas que c'est du Zeus. Donc l'ennemi peut venir n'importe quand, c'est papa qui gère. Hein. Je vois un mec armé sur ma position. Il y a pas mal de déco quand même. Ouais. T'as. Non, je sais pas où il est, Snake, du coup. T'as eu des nouvelles ou pas? C'est moi. J'ai vu un mec au niveau où je tire. Je crois qu'il est sur le toit. Maison, bâtiment. Ouais. Maison, je mets un point sur carte. Roger. Donne l'azimut si tu peux. J'ai pas la boussole. T'inquiète. Je vois rien. Ouais, non, mais c'est. On fait ce que trop vite, trop connu, tout à l'heure, on l'a pas vu arriver. Je vois rien. Point sur carte. Trompé. Contact nord. Contact nord. Oh, je sais pas, je le vois pas là. Tu le vois encore là? Je vois, tu tires au PA là. Tu le vois le mec? Ouais, au PA tu vas pas l'avoir. J'ai des cailloux. J'ai plus de munitions dans mon arme.
tir allié. Au niveau du checkpoint. Oh, j'ai flippé, il y avait un lapin. Ah, ça canarde là-bas. Ouais, ça canarde. C'est des talibans. Voilà qui canarde, je sais pas trop. Hein. Ah, je sais pas, c'est après, on a pas de batteuse, donc. Ouais. Oui, mais nos collègues au bout, oui, ils ont. Merde, j'ai encore changé ma. Je regardais si la fréquence elle. Je crois que le sud-est il y a du contact, mais je suis pas sûr si c'est allié ou ennemi. Est-ce que tu peux nous faire un topo où sont les ennemis, les alliés? Ouais, j'avais bien vu. Ils sont au sud-est, son collègue. Bienvenue à toi, merci pour le follow, Rasnov. Merci. Désolé, ouais, je suis désolé. Y'a pas de mal. Les gars, attention, hein, sud-est, hein. Ils sont juste au-dessus. Faut pas qu'on regarde tous le même axe, hein, par contre. En deux. Sud-est. Mais sans deux la fréquence, Snake. Ouais, le 517, y'a pas beaucoup de balles dans le chargeur. Mais si, t'inquiète. T'es perdu ou quoi? Bah, y'avait du contact en sud-est là, mais y'en a plus. Mais en fait, c'est pas canal 4, putain, c'est canal 1! Oui! Ah oui, canal 1! Non, tu peux le dessus, tu peux le modifier. Informe, hein, si t'as du contact. Hein. En face de moi! Ah bah, en face de toi, ça veut rien dire! Comment ça, t'as pas de boussole? Il est là, j'ai oublié d'en prendre. Il est derrière l'arbre là. On est au niveau du VAB de nos. Au VAB. Au premier VAB, tu vois le VAB. T'es derrière le caillou. Sud-est, il y avait du monde, c'est ça? Sud-est, c'est ça, depuis tel an, sud-est. Ok. Deux mecs à terre. Deux plaques abattues. Comment on change de canal, les gars? Comment on change de canal? Acte, mais rouge, mais t'entends pas quand tu fais ça. Contrôle P, Snake, et après en bas là, t'as les petites flèches sur ta radio. Canal supplémentaire prévu, non, c'est R2. Ouais, mais ça, moi ça fait que A4 et C4. Est-ce qu'on pourrait connaître. Canal suivant, preset, prêt. Ah, prêt. Prêt, ouais, canal précédent, suivant, ok. Ouais. Au deux nord-est. Et bien sûr quoi? C'est bon la radio, Snake? La radio, elle est baisée, notre radio. Pourquoi? T'as pris laquelle radio? Pourquoi tu dis elle est baisée? Je vais voir au niveau des coups de feu. C'est 1-102, ouais. Ça marche. Tu valides au moins? Est-ce que. Et t'appuies sur. Tu cliques sur entrée? Au pire, si je la confie et je te la passe, ça va refonctionner ou pas? Vas-y, là, tu valides, je te vois là. Bon, c'est bon, t'as validé. T'as ce radio, Snake. Est-ce que t'appuies sur. Sur Mage? Snake, pour info, on a vers 3 faut parler, qui est sur Mage. Est dans notre position et vers unité qui est à l'est. Ok, merci, Iskur. T'appuies sur majuscule pour parler en même temps que t'as deux pouces tout le tour quand en fait t'as appuyé si tu veux. La touche est verrouille mage. Verrouille mage et plus ton push to talk que t'as activé sur le TS. Et comme dirait Evil, tu fais une 3 fois le tour du clavier, tu tapes dans okay. Les mains. Là tu m'entends, là tu m'entends. Affirme, bon, affirme. Affirme. Non mais c'est pas pris en fait. Il est passé très lourd. Ouais, là il se prend une chair, ouais. On est bien ici, les gars. Ah, ça va peut-être venir, hein, t'inquiète. Hein. Pour ça, hein, faut bien regarder tous les axes. Hein. French, t'es où toi? Je surveille l'ouest.
Ok, d'accord. C'est dans la pompe bord, hein. Plein nord. T'as dit quoi, Chrisax? D'accord. Ça part rapide, y'a des mecs terrestres, alliés. L'IT1 se progresse. Y'a du contact à l'ouest, non? Contact à l'ouest! Feu sur moi, ouais, à l'ouest. Je vois pas. 300, 300. Grenade! J'ai touché, j'ai touché! Je sais pas où il est, je sais pas où il est. Je suis dans le mal là. Merde, j'ai pris ma tête. Je sais pas s'ils m'entendent. Non, ils m'entendent pas. Moi, j'ai. Tu crois que je peux revenir là du camp? Ça venait du nord aussi. Hein. Ça venait du nord. Ma radio est bonne ou pas? C'est qui là? Pour info, je suis au sol. Ah, Grano, ah bah oui. Est-ce que le mieux quoi. Première base, ça décolle pas pour moi. Mais je vois si je peux faire un truc, mais je pense pas. Ah, Médic. Ah, putain. Faut que je prenne le soin là de trop. Je prends la tousse médicale. J'entends plus Tipex, il est tout tombé. Hein. Affirmatif. Ah, je pense qu'il est mort, ouais. Bah. Je l'ai jeté mon silencieux, non? Les gars, est-ce qu'on a un médic? Est-ce qu'on a un médic là dans l'équipe? Non, le médic c'est le mec, mais je crois qu'il est tombé. Pour ouais. Info, je suis tombé, j'ai pris une tête, ça venait du nord également. Vous m'entendez? Oui, ouais, on t'entend, ça grise un peu, mais on t'entend. Ok. Je peux pas vous rejoindre là, sinon je viens à pied, mais ça va être long. Au pire, je peux aller au VAB et faire un tour pour aller chercher les gars. Affirmatif, tu. Genre, oh, t'as on réapparaît au campement. Écoutez les gars, écoutez. Ah, attends, genre. Je vais voir avec le drapeau ce que je peux faire, je vais voir. Quel drapeau? Bah, c'était pas là le. Ah putain. Non, en fait, le drapeau c'est juste pour revenir à la base principale. Ouais, après, il nous redéploie quoi. Les gars, écoutez-moi. Il y a deux personnes qui prennent. En fait, j'ai combien de survivants encore? J'en ai combien de survivants? Il fait pour avoir un viseur comme ça, ce mec. Bah, y'a moi, votre Kayane qui est encore sans zone. Et moi. Ah, peut-être dans l'inventaire, non? Ok, donc on est 4. Donc en fait, on est 4 survivants. Non. Ok, je veux deux personnes qui aillent prendre un VAB et qui aillent chercher en fait, genre le reste du groupe. Et il y en a un qui reste avec moi ici. Je vais prendre celui-là. Bah, Roger, votre Kayane, j'y vais. C'est pas mieux. En tout cas, c'est mieux que celui que j'avais tout à l'heure. Je reste. Mais comment ils ont fait pour avoir un autre viseur, okay, je sais pas. Ok, écoutez, Snack ou Chrisax, on reste sur place, et les deux autres en fait, Vodka Prod et je sais pas qui, vous allez chercher vous allez chercher en fait les mecs qui ont récap. Je suis dans le VAB, j'attends mon compagnon. Ex. Ouais. T'as vu comment on fait pour... Bah non, mais en fait, je sais pas, c'est juste pour respawn à la base, je crois, non? Le VAB il doit venir nous chercher, okay, je crois. Ok, c'est rentré dans le compound, je répète, c'est rentré dans le compound, faites gaffe les gars. Gardez les yeux ouverts, ça entend dans le compound gros. Vas-y, quand je peux te parler. Ouais, bah je crois que je vais partir, je vais faire un drapeau. Xunga, on a un VAB qui vient nous chercher, bravo. Xunga. Ok, bien pris, okay. Specs, on va tu préviens ton groupe là, on a un VAB qui vient nous chercher. Ok, le VAB qui vient là pour Bravo là, on va récupérer d'autres soldats, d'autres groupes. Roger, sur la route. Ok, reste bien sur la route, hein, fais gaffe aux mines. VR3 pour Xunga. Non, on va pas sur squad aujourd'hui, termine. Ouais. On est tous tombés, ouais. J'ai pris une tête là, ça venait du nord là. Ouais, pareil, moi ça venait du sud. Reçu. Ouais, ça venait aussi, en fait. Ouais, ouest, nord-ouest. Ah, c'est fait encercler d'un seul coup, là. Mm. Ouais, pareil. Ça, faut être attentif, hein. Faut être attentif. Bah non, on a eu droit à notre Tipex.
Ah bon ? Une rafale de Minimi dans le dos, ouais. Et la grano et vous devez m'avoir en l'autre. Ah, et c'était qui ? C'est Minimi. Minimi dans l'autre groupe, c'est quoi ? C'est dans le groupe de qui ? Soit de Code 34 soit... Un gros team kill quoi. Docteur team. Ok. Ah bah bravo. Ah, faut que les communications en parlent parce qu'on est tous éparpillés sur le terrain là. C'était là. Et vous aussi dans le VAP quand vous prenez la place avant droite là, ça bug ? Ouais, ouais, ouais. Ouais, ouais. Ça bug. Ah, donc, sortir ça bug. Ouais. Ok, je vous attends, je suis sur la route. Ok. Ouais, ouais, en fait, c'est pour ça que j'ai du Deku et Roku. Ouais, pareil, deux fois j'ai fait en plus. Moi, j'ai réussi à sortir moi. Ah ouais ? Ça a bugué, ouais. J'ai Bob Dark qui vient se connecter sur Arma, donc je sais pas s'il va nous rejoindre à suivre. Non, normalement il devrait nous rejoindre. Ah, je suis à terre. On arrive, on arrive, le médecin arrive, le médecin arrive. Ouais, j'ai vu, désolé, ouais. Montez bien à l'arrière, montez pas passager. Hein. Ouais, à l'arrière. Bah, je voyais que son arme, je pouvais pas tirer quoi. Ouais, je sais. T'inquiète, du coup, nous redéposez où sur le. Vous étiez où vous ? Nous on était au niveau du campement de... à l'ouest des mines. Les gars, je suis seul. Ouais, je marque pas en sortir. Nous on est allés, ça se paie. Mais tu peux venir déposer au checkpoint au pire, enfin ou avant. Ouais, bah juste avant, ouais. Quand vous arrivez, faites gaffe de ne pas me désinquiéter. Reçu, Snake, on arrive. Je peux démarrer, c'est bon ? Tout le monde est bien, personne à la base, c'est bon. Juste pour info, hein, quand vous prenez un VAB et vous montez à l'intérieur, ne montez pas côté passager, montez vraiment à l'arrière. Ah, il y a un passager là par contre. Ah, bon bah il va être bugué. C'est qui le chef de bord là ? C'est pas Garnon, j'espère. Vodka ? Vodka ? Verre d'eau. Squad dit, du coup on arrive avec le VAB. Yann, tu m'entends ? Bon, on a perdu une partie de notre équipe. Et là on est en train de retourner sur la dernière position. Yann, dis mec, je suis à la Kika. Hein. À la Kika 117. Ouais, ouais. Yann, tu m'entends ? Oui, Happy. Prends bien les rochers qui sont sur la gauche. Hein. Sinon, il y a les mines en face. Véhicule droite. Attendez, non, vous avez des gars. À gauche, Yann. Voilà. Attends, arrête-toi ici, on va déposer les troupes. Attends, arrête-toi. Voilà. On vous dépose là. Bravo, vous restez dans le véhicule. On arrive, Snake. Merci, tactique. C'est bon ? Allez, bon, on y va. Vas-y. Faites gaffe, les gars, il peut y avoir du contact à l'extérieur du camp encore. L'intérieur est clear, plus ou moins clear. Mais l'extérieur, il peut y avoir du contact, faites gaffe. Bon, les gars. On rentre, ce mec, on rentre à l'intérieur. Ouais, rentrez, il écoute plus, rentrez. Et après, c'est moi en face. Ouais, ouais, vive. On a un blessé ici, Où ça ? Bien. À l'entrée. Sécurisé. Ouais, sécurisé l'entrée. Faites gaffe, ils ont essayé de rentrer tout à l'heure. On en a battu à la porte. Ok. Y'a d'autres qui sont tombés ou pas là ? Non, c'est bon. Tout le monde a pris une tête sinon. Bon, je reprends ma position à la porte ouest. C'est bon, pour ça que c'est bon. Je rentre pour toi. Bon, Snake, on est tous de retour. Hein. Bien pris. Bon retour parmi nous, les gars. Merci, chef. Ah, ça fait bizarre, hein. Ça fait longtemps, mec. Ouais, de ouf. Go. Ah, c'est cool. Tu sais que la première fois que j'ai joué avec vous, c'était sur Lingor et c'était toi le chef. Je vois pas ce qui en passe. Checkpoint, il y a un mec qui est au niveau du mirador. Enfin, ici c'est mieux de pas tirer la radio, pas de pas. Ouais, donc ouais, le canal c'est radio. Tout à l'heure ils avançaient vers le point. T'as les jumelles au point. Eh, la toute première c'était Lindor. Si. Et c'était toi le chef. Mec, c'était ouf. Mec, c'était que ça me rappelle trop de bons souvenirs en vérité. Mais tu sais que la dernière fois je me suis retapé quelques vidéos là en live. Vidéos souvenirs en fait de. Ouais. Ouais. Tu dois te souvenir d'une soirée qui était énorme avec JP, Firaz et. Avec les hélicos, Ouais, ouais, tu l'as encore cette vidéo sur ta chaîne cachée ou pas ? Ouais, mais bien sûr. Celle-là, elle est épique, mon gars.
vrai qu'elles partiront jamais, c'est incroyable. Cette vidéo elle est privée, mais qu'est-ce qu'elle était énorme. Ouais, c'était n'importe quoi. Avec les qui se crachent en plus dans les films là. Ouais, Firaz et tout ça, je prenais la tête. Je me rappelle. Pour info, c'est avec l'équipe Charlie et sur. C'était bon, Armado avec le mode MSO et tout ça, c'était énorme. Nord-Est. Après. Roger. En vrai, tu sais que ça fait longtemps que je te suis, franchement. Merci Lolo. Bah de rien. Ça fait depuis que t'étais sur ça fait combien de temps que je te suis? Bah depuis que t'es dans le deuxième Rima, même plus en fait. Ah non, plus c'est pas possible. C'est pas possible. Non, c'est Snake qui m'a donné l'envie de streamer et de faire des vidéos. En fait, ça m'a rappelé un truc. Il y a un mec qui est venu sur mon live il y a quelques jours là et il m'a dit mec, je te suis depuis l'époque où tu jouais genre où tu faisais des vidéos sur Call of Duty. à la limite Battlefield on en a fait un peu. Ouais, c'est ça, ben, je veux bien, mais quand même gros, j'en ai jamais fait en vidéo. En fait, tous les streamers qui sont ici connus, bah je les suis quoi. Est-ce que tu les suces? Ok, bah Twitch. Moi, au revoir. Bah ça m'arrive des fois, mais bon. C'est important les gars, c'est important. Est-ce que vous connaissez Red Shadow Legends? Oh, ça va être tête en. Il va faire sa promo. Combien tu touches là, enfoiré? C'est un jeu tactical. Runner 112, bienvenue à toi. Merci pour le follow. Bonjour Red Shadow Legends. Sérieux? Faut bien ramener de l'argent de toute façon. Tu stream en live ça? Ouais. Tu stream en live. Ouais. Lui c'est un génie les gars. J'ai une mauvaise connexion du coup. Il stream en décalage. Ouais voilà. Iskur, t'as du nouveau au niveau du commandement? Faut qu'on se regroupe quelque part, qu'on bouge? Mais il a dit qu'ils ont capturé. Enfin ils sont sur eux. Négatif pour le moment, pas d'infos. Je peux en demander si vous voulez. Non, juste pour savoir. J'ai un jeu de cartes. On reste concentré quand même. Bataille, attends. Parce que ça peut arriver, tout à l'heure on s'est fait dépumer quand même. Il restait plus que Snake. Moi ça. Vous êtes sûr? Bah moi j'ai un paquet de cartes dans mon sac. Hein. On se met là, on joue. Hein. Ouais, 10 ans terminé. Le plus important c'est Tipex, vu que c'est le Medic, faut qu'on en prenne soin. Ouais, j'ai vu là. Tu m'as en premier là. Non mais je suis chef d'équipe et Medic maintenant, merde. Ouais. Ah ouais mais Bien, attends, je peux pas t'atteler. Ouais. Tu la raises Oui. C'est le mec. Est-ce que il est debout? Non, il est mort, il est def. Est-ce qu'il est mieux que moi en VAB? Oula, le VAB, le VAB. Quoi? Il a déminé le terrain là. Ah non. C'est quoi ce VAB? C'est un VAB démineur. Mec, il est passé dans son nid. Ah mais non, mais ça ne serait pas Dark. Il faut détruire tous nos VAB. Peut-être bien Dark. Mec, mais il a baisé tes VAB. Attends, je vais l'intercepter si c'est Dark. Oui, parce que du coup, personne l'a prévenu. Merci pour les follow. Merci les amis. Ouais, Snake pour info. Merci à tous. On va retourner sur la base. Des alliés vont venir prendre notre position. La position Charlie en fait. Qu'est-ce qui arrive en VAB là? Mais après, donc on fait quoi? On fait un RTB là? Affirme. Hey, y'a quelqu'un dans le VAB? Y'a pris. Bon les gars! Faut pas prendre les VAB! Les gars! Ouais. L'équipe 300-600, on fait un RTB. Reçu. Tout le monde dans les VAB. On reste. Reçu, Snake. Merci à tous pour vos follow. Merci à tous, ça fait plaisir. Y'a des alliés qui vont venir prendre cette position pour la sécuriser et nous on sera déployés ailleurs. Qui a reçu Snake? Tout le monde dans les VAB. On a un VAB de perdu du coup, hier. Leader de la 2, soldat Dark, tu rapport. Dark, la prochaine fois tu éviteras de prendre un VAB s'il te plaît, ils nous sont très chers. Et. J'ai pas pris le VAB. Ah pardon, autant pour moi. Non, on a un gars qui arrive et qui a déminé le terrain. C'est bon, je peux partir? Appui. Dis-moi les 20 ans. Merci à tous pour vos follow. Merci à toi Antoine, C14. Merci à toi Boarding Pass. Merci à toi Monster Durex, Moustique, Amen Mamen. Merci Roger. J'ai pas le nom de tout le monde. Merci Escara. Merci Redfake. Okay, let's go. Bienvenue à vous. J'allais vous faire un welcome comme la Team Snake. Merci à tous. Je sais pas du coup qui a pris une VAB, mais bon. C'est bon. On l'a plus jamais revu.
Bah il est mort, il doit être à la base. C'est ça en plus hein. Ah ouais, c'est celui qui est à la base. Il est peut-être mort dans le place. Ça doit plus connaître. Je crois que je vais aller sur le mur. On est actuellement sur le chemin d'interaction sud, vers la base. Mais attends, bienvenue à toi. Ouais, en fait, y'a un mec qui court. C'est pas Thibaut ça? Ok, on suit. Je suis avec toi dans le. Thibaut, est-ce que c'est toi sur la route? Ok, t'es pas là. Négatif, je suis à la base, moi je vous attends. Ok, il y a un. On se retrouve à RTB, RTB, RTB. C'était. Et il a fait tout le chemin à pied. On arrive, Thibaut, tu veux aller sur la route. Il a fait tout le chemin à pied, il va faire demi-tour. Iskur, dis aux autres groupes de le récupérer en stop là. C'est que son squad. S'il te plaît. Merci à toi, Christ, merci à toi, My Name is Mike, merci à toi pour le robot, merci à toi, Somat. Pour les 10 ans, ça, tu nous dois au moins un TK. Tu crois, J-Boot? Oh, je vais pas faire ça ce soir. En fin de game, alors. En fin de soirée, on se fera des petites vidéos. On va voir si Snake il passe la soirée encore avec nous après la mission. On va se faire des petites vidéos. Les gars, j'ai bugué. Des petites vidéos nostalgiques. À vos ordres, mon chef. Du coup, ce qui. Oh, petit time! Petit dodo, mais non, client. T'es sérieux? Ça va, dodo. Hein, eh les copains, j'ai T-Time qui est là sur le live. Ah ouais. Bonjour chef. Passe bonjour à T-Time. Il t'entend, Snake. Salut Dark. T-Time, comment vas-tu? Ah, T-Time, le tueur d'hélico. Ah ouais, T-Time. Tu te rappelles t-time. Cette mission là qu'on avait faite? Attends, c'était sur quel. C'était sur Isla Duala, non? Isla Duala. T-Time, il était. Hey. On va le dire, T-Time, on l'avoue, t'étais déchiré ce soir là. Ah ouais, mec, il était pété de ouf. Mec, genre, mec, ils prennent les hélicos, ils les crachaient tout le temps et tout. Genre, c'est non. Et je crois que t'avais fait une vidéo, tu l'avais appelé genre hélico jetable, un truc comme ça. Ouais, je sais pas. Un truc comme les rasoirs jetables. Ah, 3 grammes t'avais dans le sang. Ah, lol. Eh, tu sais quoi, on fait un beau dans le temps, sauf que là on est sur Arma 3. Pour info, ouais. On se ravitaille une mission. Et une autre mission nous sera confiée après. Les gars, ils évacuent la route là parce qu'ils arrivent là, genre évitez pas de faire écraser. Ok. Décale un peu. Du coup, faut choper le mec qui était sur la route là, qui était en train de marcher là. Pour l'intercepter, faut pas qu'il prenne les vabs. Il va se faire écraser lui. J'ai pas compris. Je vous suis aussi depuis l'époque des missions sur Arma 3, c'était le top avec le Dream. Ah, merci, merci les amis. J'ai réussi à demander à Snake de. Enfin, j'ai demandé à Snake de venir et du coup, il a accepté. Quand il a accepté, ça m'a fait super plaisir parce que je sais qu'il est overbooké, qu'il a beaucoup de choses à faire. Ça me fait plaisir qu'il passe les 10 ans avec nous. Même s'il fait plus partie de la team, mais voilà, enfin, c'est toujours la famille quoi. Vers 3 pour vert, on est. Donc ça fait plaisir. Du coup, je vais charger. Oh, j'entends. Papa. On faudrait quand même élucider ce problème de soins. Alors, quelqu'un d'autre. Prenez une trousse médicale, c'est ce que j'ai fait, excuse-moi, Rack. Ouais, mais nous on en avait un avec une trousse médicale, il n'y a pas un slot à prendre. Ah si, il y a un slot médic. Qui après médic, tu sais Ah, faut voir, dans votre groupe. Bah, j'ai l'impression que personne. Pas, il nous a dit que ça servait à rien. Bah oui, c'est exactement, il a dit que ça servait à rien, mais du coup, moi je l'ai pris et je peux soigner. Donc, ah non, donc faudrait voir, sur, dans votre groupe qui a pris le slot médic. Ok, bah, j'ai pris la Mimi du coup. Ok. Ouais, je suis pas habitué à avoir les noms pseudo. T'inquiète. Je suis là. Bon, qui c'est qui a. Bon, qui c'est qui se sent qui prend le slot médic, il faut faire un recours. Ça va, Code? Ouais. C'est toi, Tipex? Ouais, tu t'es ravitaillé, c'est bon? Ouais, c'est bon, je suis. Bah, une fois que t'as terminé, tu peux. Il faut que tu prennes les infos pour la prochaine mission. Le gars qui est près du drapeau. Normalement, il n'y a pas Pabir, pas loin. Et personne son petit marquage. Papa, ça va, ça se passe bien? Papa, je me lance requête. Super, papa. Ça se passe. Qu'est-ce qu'il dit, s'il veut? Moi, je voudrais un viseur qui va sur ma mitrailleuse, s'il te plaît. Moi, j'arrivais pas à me slotter, donc c'est papa qui m'a slot GV. Bonsoir. Enfin, bonjour. Bonsoir, enchanté. Limite, là, si oh, comment allez-vous? On est en pause. N'hésite pas à faire un déco-reco juste pour re-slotter. Essaye de re-slotter en infirmier maintenant. Ouais, si vous avez médic, prenez trousse médicale et ouais, des premiers secours. Mais il faut avoir le slot médic parce qu'à la base, on avait prévu ça que les slots ne servent à rien, mais en fin de compte, il faut quand même être médic. Donc, si vous avez trouvé. Ouais, du coup, je sais pas qui c'est. Parce que moi, j'arrivais pas à me slotter et c'est papa qui m'a slot en GV. Ah. Mais du coup, je sais pas qui c'est qui a pris le slot infirmier. Dans votre groupe, vous savez pas. Maintenant et vois si tu peux il était pas vide le slot?
Vois Oliver si tu peux, ouais. Vite fait. Tu préviens. Bah, j'arrivais pas à me sauter donc. Ah merde. Ah ouais. Sinon, Ran, tu peux pas toi prendre. Voir s'il y a pas médic. Si, je peux. Ensuite, parce que s'il y a des problèmes pour se loguer. Dans le lobby. Ouais, bah j'essaye. Ok. Bah, de toute façon, je vais démarrer mon jeu parce que j'ai plus de temps. Merci à toi, Captain Blast, merci à toi. Angela Flamme, merci à toi. Kwaku, merci à tous. Ça fait plaisir. Qu'est-ce qui s'est passé là? Attends, laisse-moi renifler. Il a été tué par un tigre là, regarde, il y a des griffures là sur le bras. Attends, je te relève, c'est un infirmier en plus. Non, non, c'est toi qui as des ongles longs. C'est qui me souille là. Ah, pardon. Par hasard, c'est des mini-mi qui sont en fait. Oh bah, il est mort en def. Ah bah, c'est le mouvement. Ah, ça fait. Ah, attends. Merci, hop, hop, hop. Merci bien. Ah. Mais Tipex, ouais, si t'es là, oublie pas ta trousse de médic. Je l'ai. Je l'ai. On a collé un coup de feu là. Okay. Mais du coup, on se rassemble où l'équipe? Magnifique vape, ouais, merci à Arma Mode France. Et les gars, vous êtes en. Ouais, bah, Xunga. Quand t'as la trousse médic, je suis médic maintenant. Ouais. Et toi, des trousses normales aussi? Des premiers secours, ouais, premiers secours. Et après, tu verras, t'arriveras au-dessus du gars, t'appuieras sur espace et tu pourras le relever. Et ça te bouffe une trousse de secours Ouais, je crois, ouais, je crois. Putain. Non, mais une trousse de premier secours, ouais, jaune là. Et jaune, ouais. Ouais. Donc t'en as pris combien toi par exemple? Là, j'en ai 2, 3, 4, 5, 6. En même temps, je devrais peut-être en prendre plus parce qu'à la base, ouais, je vais être chef d'équipe et. Ouais, c'est 6. Que attends, je vais en prendre. Le gros sac, je crois, attends. Ouais. Le gros sac de soins. Merci à tous pour vos follow, il y en a trop. Merci les amis. Hyper bizarre. Ouais, vas-y. Regardez. Eh, fais pas le con, ce mec, hein. Non, mais attends. Genre, vise en l'air, comme ça, vise en l'air. Ouais, vas-y. Vise en l'air. Non, mais viens, tire. Et tire, ouais. Tire. Non, mais moi j'ai. Non. Je me casse. Allez, jouez. L'armée française, elle est HK416 maintenant. Hein. Ah, j'aime pas le FAMAS. Du coup, on avait dit oui, il fallait que je prenne des trousses de secours. VR3 pour VR, prêt à être déployé. Je prends les chefs de groupe. Sauvegarder. Hop. À la base, je vais pas jouer médic ce soir, mais bon, c'est pas grave. J'ai pris le slot médic par habitude. Merci à toi, Faf. Merci à toi, Bayoun Chiwa, Monterhead, Raven Rider, Dadaon. Qui j'ai oublié, enfin, qui je vois surtout, parce que je vois pas tout le monde. Erskanel, Are, Kusu, Sulfuros. Merci à tous ceux qui ont follow. Snake, faut que t'ailles voir Papa Bear. Là, Snake, faut qu'on aille voir papa. On a perdu notre chef de groupe. Bon, on a perdu notre chef de groupe là. Il leur dit de regarder. Il leur dit de regarder dans l'air. Il leur dit tire. C'est bon, ça s'est réglé votre slot médic ou pas vous? Bah, il est parti, il est déco et il est en train d'essayer de recall là. Okay. Encore vu reslot ou il est pas revenu à côté de nous s'il a reslot. Ok. Mais on attend, enfin là de toute façon on attend les ordres. Donc, ouais, le chef de groupe il est parti. Tant que le CDG il est pas revenu, je pense que oui. C'est peut-être lui qui a reswitch là. Ok. Je pense que tant que le CDG est pas revenu, c'est pas. Ok. Vous avez le choix des carreaux ou pas? Des carreaux? Bah, des. Ok, alors j'ai une question. À quoi correspond vers 1, vers 2, 23? C'est les zones d'assassin? Non, c'est les indicatifs des trois groupes. Alors attends, unité, d'accord. Toi tu es vers 2. Faut qu'on aille là. Okay. D'accord. Cero c'est vers 3 et code 34 est vers unité. Ok. Ça marche. Très bien. Donc, j'ai... Bonne nuit à toi, Sayu. Et on s'insère. Merci à toi. Donc, bah. C'est pas que tu fais peur là avec ton arme là. Voilà. On s'insère là où il y a nos sur les marqueurs. Fait, simplement. Voilà. Sur les marqueurs vers 3, vers 2, vers 1. Exactement. Les bases de départ et ensuite, je sais pas si vous voyez les traits que je suis en train de faire. Non, papa. Il faut les faire en global. Ouais. Alors, non, on va pas les traits, mais. Ouais, je suis pas dans on mon imagine canal. Les traits, ouais. Mais bon, ouais, voilà. Ah si, c'est bon. Là, on le voit, oui. Ah oui, on le voit. Ok. Ah, mais c'est bien. Trois chaînes YouTube, moi, t'es sérieux? Donc vos points d'insertion et à partir de là, bah, vous investissez le village pour découvrir la cage d'armes qui est censée être planquée quelque part par là.
Je suppose sous la grosse croix, en fait. Ou pas. Alors, salut Bayugo. Présence civile. Ça va être En théorie, alors attends, je réponds tout de suite à Ragboy. En théorie, pas de présence civile. Toute personne qui sera dans le village sera considérée comme ennemie. Donc autorisé d'abattre. Ok, merci. Ok, vas-y. Moi, ma question c'était comment dire, la zone de recherche, c'est toute la ville, c'est ça? Exactement. Ok. D'accord. Et la délimitation, je suppose, c'est les bâtiments plus ou moins, d'accord? Et ouais, voilà, la rivière, par exemple, c'est une limitation ou pas? Non, on peut passer de l'autre côté, puisqu'a priori, il y aurait une autre partie tapée ouais. Tarque. Ouais, là, ouais. Ouais, ouais. Exactement. Ah, d'accord. Ouais, okay. Donc, fait partie du village. Donc, toi, voilà. Toi, okay, Seros, tu devrais plus aller ici ou là. Ouais, mais si je vais sur un des deux, tu vas sur l'autre, hein, on est d'accord. Ça marche, deal. Eh, hey, juste un truc, deal. Ouais. On a pas beaucoup... tes armes et on court à travers. C'est Ross, écoute. On n'a pas beaucoup de vab, alors je sais pas qui est le Pékin tout à l'heure qui a pris un vab, qui a foncé dans le champ de mine direct. Mais ça doit être un soldat de base, un troufion, quoi, bref. C'est pas mal. Oui, on vous entend. Ah, pardon. Donc ouais, c'est juste faire attention parce qu'on n'a pas beaucoup de vab et si on n'a plus de vab, après on termine à pied, donc faire attention à ça. Au pire, on fait un taxi, il y en a qui fait un taxi, mais faites attention à ça. Plus ça va aller, plus ça va être loin. La prochaine. Personnellement, pour VR3, on est toujours avec le même depuis tout à l'heure. Oui, nous aussi, mais en fait, tout à l'heure, il y en a un qui a rejoint notre position et il a foncé dans le champ de mine, qu'on en a perdu un déjà. Ah, en fait, c'est 2000 mètres, pas 2000 km. Parce que 2000 km, ça fait vraiment beaucoup. C'est bon pour les chefs de groupe. Ah, ça se fait, hein, ça dépend. Ouais, on fait la technique de la prise en étau là. Ouais, bah vous mettez sur vos bases de départ et dès que vous êtes prêt, vous rendez compte et. La strat, parce que là, les points d'insertion, ok, mais la strat, c'est quoi du coup? Vers 1 attaque le sud, vers 3 attaque le nord et vers 2. Chef de groupe, coordonnez-vous. On allait pour faire pire, on a vu un VAP qui arrivait vers le champing, il a traversé, il y a 3000 KPT, le machin, il a des tracts devant nous. C'est moi, lol, T-Time. Mais je crois que c'est le gars qui était sur la route quand je suis arrivé. Ouais, mais c'était qui lui sur la route, le Pékin là? Qui l'a ramassé? C'était pas, mais c'était qui de quel squad? Sorti du lab, il s'est barré en mode c'est pas moi. Attends, je vais aller voir là-bas si c'est pas un 2 là. La fille. Ah, moi je me suis pas arrêté, je l'ai écrasé. Eh les copains, c'est l'un de vous là qui est marché sur la route tout à l'heure? On marchait sur la route. Là, juste là, pas loin de la sortie de la base. Alors non. Non, c'est pas vous? Non. Non. Mais là on est en train de discuter depuis tout à l'heure donc c'est pas nous. Non, mais quand on est revenu à la base en fait. Vous avez dû le croiser en véhicule, peut-être un de vous a fait, enfin un VAB a fait un taxi. Ou alors le mec il est perdu. Bon bref c'est pas vous. Bah non, on a ramassé le non parce qu'en fait pour tout vous dire, on cherche le mec qui a pris le VAB et qui a foncé directement dans le champ de mine. Il est venu, il est venu tout seul, il y a un mec qui est venu tout seul avec un VAB comme si c'était un quad. Et il a foncé dans le champ de mine, donc en fait on cherche le coupable. Dans le champ de mine. Ouais, mais en fait, on a des vabs limitées, donc faut qu'on fasse super attention, quoi. Parce que plus ça. Les trousses pour les réparer? Bah, peut-être, mais faut les avoir. Dans le champ de mine, c'est un peu compliqué. Mais, hein. Mais s'il y a personne qui a un slot, mais. Ouais. Mais canon. Fred qui parle de mine, ça me fait peur. Fred, il y a un problème de connexion encore. C'est peut-être ouais. Une voix de robot. Ouais. C'était lui. Bon, ça doit être dans. Du coup, vous êtes quel groupe, vous? Alpha. Alpha, donc vous êtes avec Code. Donc c'est quelqu'un qui était dans le groupe de Seros. Ok. Bah oui. Je l'ai trouvé. Il remonte le filon et fait une enquête. Bon, c'est un du groupe de Seros, un du groupe Charlie. Là. Parce que c'est pas Alpha. Putain, je vais choper, tu vas voir. On va afficher son nom, Et non, mais il va devoir de l'argent à l'armée française surtout. Ah ouais. Attends, ça coûte 700 000 euros. Oh là là. Il est peut-être 10 000 après. Oh, t'es où notre chef? On entend plus. Il discute avec papa. Ah ouais, d'accord. Celui qui est de l'autre côté. Comme ça, d'accord, en fait, d'accord, je vois. Comme ça, ça évite en fait, tu vois, qu'on perd du temps. Parce qu'en scred, il n'y a pas tant de bâtiments que ça quand tu zoomes. Tu vois, t'en as pas tant que ça, hein. C'est beaucoup de compounds, beaucoup de petits bâtiments par-ci par-là, mais il n'y en a pas beaucoup en fait. Par contre, il faut faire gaffe aux dégâts à l'ouverture de feu. C'est-à-dire qu'il ne faudra pas ouvrir le feu de manière totalement sgeg, tu vois. Non. Pour faire gaffe. Attention au tir ami. Ouais, c'est ça. Et attends, juste une question. Entendu, Tib, hein.
Et les gars, j'ai une question. Cette zone-là, là. Cette zone-là, c'est bien. C'est pas dans la ville. Non. Chez non, on va essayer de la couvrir, là, Vera. Ok, bah, non, mais juste pour rassurer, parce que c'est vrai que pour le coup, si jamais, genre, il y a des trucs là-bas. Il est où, Tib? Donc, ok, vas-y, go. Quand vous voulez, les gars. Il est là-bas, au loin, vers le nord. Il y a des véhicules ou pas sur place, ennemi? Tib, t'es où? La zone ennemie, c'est la zone. Ils vont vérifier sa position à chaque fois. Ah, ils sont proches, je pense. Ok, bien pris, papa. Ouais, j'ai vu ça. Des drones, tout ça pour. Du coup, en fait, on va aller voir taper le parc à la fin. En dernier. Avec Zunga Tip, c'est le mec qui a des lunettes. Ouais, c'est un de vous qui a pris un VAP qui a foncé sur le champ de mine. Mais je pense qu'on risque de le trouver avant. Je pense pas qu'ils ont passé la rivière, ils sont pas. L'a vu en direct, en fait, il a tracé, il a coupé trop court et. Quand tu dois nous donner des ordres ou quoi. Ah, je mène mon enquête en fait, mais. Dire, toi tu vas vers 1. Parce que du coup, c'est pas alpha non plus. Il y a Firas qui viendra la prochaine fois. Ouais, ok, je vois. C'est ultra simple. Ah, je peux trouver le coupable. Oui, bah oui, pour le coup, si tu entends. Je vais tenter. Eh, au tac. Il a encore la vidéo. Tu l'as. Faut que tu m'envoies le lien là, faut que je sais que j'ai des moments de détresse. On va couper ma source, on verra le lien sur Skype. Vas-y. Moi je vais la regarder en live, tiens. Ouais, c'est bon, pas en live si vous voulez. Vas-y, ok, elle est partie. Vas-y, go. Le truc est incroyable. Je laisse le passager, les gars. De quoi, on peut embarquer? Ah, ok. Le drone est parti. Prends la place du coup. Pas fusible non plus. Mais Wolf il devait être là, mais Wolf je crois qu'il a un empêchement. Ouais, il a un empêchement. Ouais. Et Wolf devait être là ce soir. Ah, nous on est sur quel map? Je paye mes wins. Celui-ci qui m'a garé là. Sur l'autre, on garde. Le seul qui est mal garé, ouais, c'est exactement ça. Parce qu'il peut reconnaître, hein, tu vois. Parce que j'ai pas le permis en fait. Ok, les gars, rapidement. Vous m'entendez? Snake va faire un petit briefing, écoutez bien. On va juste faire le tracé d'itinéraire. Genre, ça va être relativement simple. C'est ça. Voilà, tu suis la flèche. Plain West. Juste, ouais, non, par contre, sérieusement, fais gaffe, il y a Manfield là, t'as vu? Genre sur la droite. Ouais, fais gaffe, passe de bien passer. Droite et je tourne à gauche au pire. Ouais, mais en fait, bifurque bien en fait sur la gauche, tu vois. Genre de ne pas passer sur le ouais, Manfield. T'inquiète. Ok. Bah, du coup, j'ai vers 2, c'est ça? Ouais, vers nous, nous on est vers 2. Donc, quand vous voulez, les gars. Ok, bien pris. Juste pour info. On y va maintenant. Juste pour info, là, notre mission. On a vers 1 notre sud, vers 3 notre nord. Donc, on va éviter les tirs fratricides. Je m'y connais, donc fais attention. Ah, d'où ? Toujours. Et donc, en fait, notre objectif, c'est quoi, Snake ? C'est de chercher une cache d'armes, c'est ça, dans le village ? Ah, c'est pas dans une nuit. Vous dites, les gars, c'est une cache d'armes qui est cachée, là, dans TAPK, là. Et l'idée, c'est de la trouver et après les frais. Donc, rendez-vous, enfin, faut du coup. On a des explosifs? T'inquiète pas, pose pas la question, j'en ai toujours sur moi. j'ai une charge. C'est notre truc, okay, tu vois. Et question, comment on change de grenade? CTRL-G. CTRL-G, ouais. Pareil pour les fumées. Vas-y, quand tu veux, conducteur, on est parti. Attends, est-ce que t'es là? C'est pour ça, ouais. Je suis parti. Genre, tu peux confirmer qu'on peut y aller? Il y a déjà un VAP qui est parti. On peut aller. Ok, c'est bon. Let's go. Compte dès qu'on est sur position. Ouais. Les gars, je vous rappelle, on arrive sur zone L, c'est une mec qui ouvre la porte. Va tout droit, Pessac, c'est en plein ouest. Ouais, non, aussi. Sauf qu'il y a une fois qu'on arrive sur place, on ouvre la position 360 degrés et on rend le compte radio. Ok. On est serré dans le VAB. Ouais, j'ai mis la clim. Fais gaffe avec ton canon. Je me pense qu'il y a la clim dans le VAB. Non, y'a pas de clim dans les VAB. Y'a pas de clim. Ouais, y'en a un qui a lâché là. Oh putain. Mais c'est pas moi. Qui c'est qui a lâché? Yo Marcin, ça va ou quoi? Juste tout droit là, je suis pas en train de parler. T'es arrivé à Vérin là? Ouais, on est sur Vérin, les gars. Non, ils sont vers un peu. Le petit compound là qui est qui a ton 300 là. Ouais. Merci Knot. X-Knot. Ouais, c'est les 10 ans de la team, les copains. Ne pas l'oublier, ça fait plaisir. Ah, je me colle au mur.
Ouais, bien vu, Avilom. Tu vois, rentre dedans pour être safe. Une dernière info importante, pas de civils détectés en ville, hein, donc du coup, normalement, c'est full ennemi. Et par contre, faut juste faire attention aux tirs alliés, quoi. Ah, c'est bon, je suis entré par derrière, quoi, c'est bon. On se calme. Pardon, chef. Bah oui, je suis bloqué. Et pourquoi il pète un plomb, lui, il arrive quoi? Je prends hauteur sur les maisons, les gars. À l'ouest, du coup. Campant de clear. Ok. Verde. Il y a un peu la dalle. Pour info, Bravo est sur position. Pourquoi tu prends mon rocher, toi? J'ai beaucoup le mien, en fait. C'est pas que... On va faire une table à feu, ici. Un peu de calme. Ah ouais, ça fait du bien, putain. Bah alors, ton retour sur Arma, ça te... En fait, je galère un petit peu, tu sais pourquoi? Ouais, Snake, pour info, je transmets qu'on était sur position, Non. Attends, on est en attente. Bien fait. En fait, je galère un peu parce que ma touche pour parler, c'est la même en fait que ma touche pour me muter, tu vois. D'accord. En fait, ce que je... Ah, mais attends, j'ai dit, je viens de penser un truc en fait. Attends. Sur TS, tu peux pas changer? Ouais, j'ai dit au pire, je peux désactiver sur TS le truc, attends. Option. J'ai un autre de véhicule qui arrive. Oui, c'est quoi la touche pour se mettre en voix forte? C'est contrôle tab, non, c'est pas ça, ou shift tab, je sais plus. Ah ouais, merci. Un truc comme ça. Ouais, parce que pour s'entendre de loin, c'est mieux. Il venait de quel côté, le véhicule? C'est un VAB, non? Sud-est et c'est un VAB, ouais, ça y est. Ouais, écho, hein. Ouais, c'est parfait, super. On t'entend radio et Ouais, super. C'était un test, les gars, vous avez passé un test. Question, comment je reviens sur vous? Très bonne question. Je peux prendre un VAB? Négatif. Il a rigolé, ah, il faut 10 minutes pour me remettre là-bas. Il s'est mis dans le côté passager, du coup il a bugué. Nord-ouest. Ok. Il y a un petit village. Envoie quelqu'un à chercher. Attends deux secondes, les gars. Est-ce qu'il y a le conducteur du VAB qui peut reprendre le VAB et aller chercher, s'il vous plaît? Vas-y, j'y vais. Merci, c'est ça. Par contre, Snake, on t'entend que radio, c'est normal? Et au village nord-ouest, ah, c'est bien. Ah non, t'as fait exprès de parler à la radio, d'accord. Okay. Ah oui. Ouais, ça va, ouais. Y'a personne derrière? Ah, vas-y. Verde. Oh, heureusement qu'on a mis Skur en radio, il gère. Ah ouais, d'ouf, mec, Skur c'est le GOAT, mec, c'est un truc de ouf. C'est quoi, c'est mon ange gardien, Iskur? Quand on était en colonne à chaque fois, là, tout le temps, tu sais qu'il y a un mec qui check tes 6, c'est Iskur. Ouais, mec, mais tu sais comment j'ai kiffé jouer avec Iskur à l'époque, là, à l'ancienne, quand j'étais dans le Derima? Mec, parce qu'avec Iskur, genre, déjà, on se tapait des petits délires MGS, on parlait d'MGS tout le temps et tout. Et en plus, genre, mec, je kiffais parce que, mec, je joue grave bien, en fait. Ah bah oui. Bien, Arma, Iskur. Contrairement à Otak. Ah, il est pas là, mais bon. Ça bave là. Où ça bave? Ah, t'es fou, mec. Otak, pareil, mec. Je kiffe Otak, gros. Genre, tu sais que c'est. On a passé tellement de moments ensemble comme avec Tipex. On a passé tellement de moments ensemble, mec. C'était ouf, tu vois. Mais tu sais que. Ouais, Snake, pour info, quand on sera complet, on pourra investir le village. Et tire à ton initiative. Bien pris. Merci beaucoup, monsieur. En fait, tu sais, quand tu m'as invité là pour la mission. Ouais. Mec, genre. J'ai dit oui, et tu sais qu'à la base, aujourd'hui, j'avais. En fait, j'avais mon PSP. Ouais, tu m'as dit, ouais. Et en fait, je pouvais pas venir parce que je devais la faire ce soir. Et mec, j'ai dû décaler au PSP cet après-midi pour être là ce soir. Tu vois. Et moi, tu sais quoi, je me suis dit, t'es un Snake. Je sais que t'as un emploi du temps, voilà, surchargé, tout ça. Mais je me suis dit, j'espère qu'il va pouvoir venir. En fait, quand j'ai vu ton message là sur le live, tu m'as dit, ah, faut que je te parle. J'ai fait, ah non, il viendra pas. Bah, en fait, à la base, je vais dire, gros, je peux pas être là parce que je vais mettre le PSP. Et en fait, wow. Ouais, ouest. Ouais, ça me tire dessus là.
Oh merde, le mec en a pris une. Oh, il a pris cher. Attends, je te relève. En 227 derrière le muret. Nanomater là, je le relève. Me lâche pas, Snake, me lâche pas. Je vais me faire un café, j'arrive. Merde, pourquoi je peux pas le relever assis? J'aime bien ça, les phases d'arma où tu sais, t'es en train de discuter normal, et d'un seul coup, poum, ça tient. Et là, t'en prends une. Oh. Ah. Ça a été traité ou pas? Je l'ai engagé, je sais pas s'il est tombé ou il a des cales, mais je l'ai engagé. Il était en 227-229. Eh, tu me crois, j'ai jeté une smoke sur notre position, regarde où elle est partie. Mec, elle a dedans parce qu'en fait elle saute, elle remonte. Ah, finesse! J'adore Arma. Eh, tu sais quoi, ce soir je vais faire mes 1000 heures de jeu, et après je désinstalle. Attends, mais t'as pas encore 1000 heures sur Arma toi? Non. Mais t'abuses, mais non, c'est pas possible. Si, si, sérieux. Attends, mais mec, moi je suis à 979-970 heures. Ah, mais moi j'ai pas fait d'altis machin et. Ah, oui, ah ouais, c'est vrai. Ouais, c'est vrai. Dis-toi que j'ai 1000 heures en médic. c'est lourd, gros. Oh, c'est décalé à gauche, attends, décalé à gauche. Ok. Je vais juste checker au nord, entraîneur, s'il y a du monde. Non, c'est clair, je vois rien. Bab de retour sur le champ de bataille. Gaffe, on a été pris la partie vraiment. Ils sont là-bas, je crois, vers 3, non, c'est ça. Du côté nord-ouest. Ouais, non. C'est pas eux. C'est bon. C'était quel ennemi qui est au contact? C'est quoi ce Vab qui s'en va là? Je pense qu'il a été couché parce que. Quoi depuis son nez quoi? Qu'on est au complet là, Iskur, tu disais qu'on pouvait investir le village? Ah, ferme. Descends, Yann. Roger. Bon, ce n'est qu'on attend tes ordres. N'oublie pas, t'as deux groupes, hein, t'as 300 et 600. Ah ouais, pas. Je sais. Attendez, genre laissez-moi faire un petit point carte, vite fait. Tac, tac, tac. Les gars, est-ce que vous pouvez toujours rassembler sur moi, s'il vous plaît? 300, 600, tout le monde sur moi. Je suis au niveau du rocher. Ouais. Merci beaucoup. Tout le monde est là, tout, tout. Roger. Tu m'entends? Le mec au mur, tu m'entends aussi? Ouais. Dextero, bienvenue à toi, merci pour le follow. Dark. Ouais, Dark il t'entend. Ok, c'est cool, nickel. Alors, l'objectif des gars, ça va être d'avancer en fait sur la zone. On va essayer d'avancer en fait en formation ligne et de groupe, ok. Donc le groupe 300 sera sur la merci gauche. Merci à toi aussi, Yacine, pour le follow. D'accord. On essaie de garder la formation ligne et d'avancer en formation ligne. Chaque chef de groupe, donc 300-600, vous êtes libre d'adopter la formation que vous voulez en fait, c'est vous qui voyez. On essaie juste de rester en fait sur le même niveau, ok. Okay. Histoire de pas avoir en fait un groupe devant l'autre ou quoi, et tu sais, d'être un peu prêt à confusion et de tirer sur le comment dire, sur le. C'est un véhicule ça. Ça, c'est pas. C'est un véhicule ça. Merde, putain, j'ai galéré pour revenir. Je pense qu'on a dû se faire découper à plusieurs là. Ah ouais, on était trop regroupés là. Ready for orders. On était trop regroupés. Et encore, on n'a pas pris une grenade. Imagine les mecs seraient venus nous aurait acheté une grenade. Pas l'erreur. Il est pas là le médecin. Ouais, non, le médecin il est encore tombé, il a pris sa tête. Attends, c'est pas ma soirée hein. C'est pas ma soirée. Attendez, j'ai ce qu'il faut en premier score. Ouais, je pense que c'est bon. Les catons, moi je pense qu'on s'est tous fait découper, non? Je suis le seul? Ah, pour info, je suis à la base. Mais je pense que c'est un véhicule, hein.
sais pas s'ils ont des pick-up. J'arrive, Tipex. Merci. Merci, Chrisex. D'accord, ah, j'ai pris une tête directe, ouais. Merci, monsieur. Autorisation d'avancer pour prendre un point un peu plus haut. On dirait pas que c'est la guerre là-bas, c'est super calme. Ah là là. En tout cas, ça fait plaisir de retrouver. Bah, tu vois, T-Time, t'es là, t'as fait partie aussi de la team. Il y a aussi, il y avait Ed, il y a GP, il y en a d'autres, enfin, il y en a plein d'autres. Guillaume, Carniflex, je sais pas si vous êtes là, mais si vous nous regardez encore, sachez que voilà, on vous a pas oublié. Vous avez quand même fait partie intégrante de la team pendant quelques mois, quelques années. Et ça fait plaisir. Ouais, il y a Coco. Wolf est toujours là. Hein, Wolf est toujours dans la team. Hein, c'est juste que ce soir, il y a eu un empêchement. Evil, il ne pouvait pas venir avec nous ce soir également. Mais toujours dans la team, voilà, c'est Wolf, Evil et JM. JM qui est dans une autre, dans un autre groupe. Donc les tauliers. Donc Wolf, Evil et JM. Il y avait Citron également. Enfin bref. Dark, t'as trouvé une là, position. Il y a eu pas mal de passages de va-et-vient, mais ça fait avancé, super plaisir quand même. De pouvoir en retrouver quelques-uns. Bon, mais pas de contact, je suis pas du tout d'où c'est parti. Ouais, je suis tout seul, Sax. Ok. On attend quelqu'un d'autre ou je vais y aller là? Bah attends, je check le. Ah, y'a un mec dans le camp là. Attends, je vais avancer. Vas-y, avance. Ça vient d'où les types? Ouais, je crois que c'est Snake, non? Ouais, ça va être Snake. Un mec de traité. C'était quoi ce tir là? C'est moi qui tire sur les mecs. On l'a pas trop entendu du coup. De où j'ai vu. C'est là, il va faire 5 ans que je te suis depuis YouTube. Merci à vous, l'homme. Je crois que j'ai commencé en 2013. Alors, on attend pas le parti? Allez, monte! C'est moi, je suis dedans. Ah oui, vas-y, go. Ouais, j'avais avancé un petit peu. Elle était excitée de soigner les dégâts. On a pris notre petite tête. Ah ouais, je me suis cassé bon. Ah, mais on était regroupés. C'est un véhicule, c'est quoi qui nous tirait dessus? Ah, franchement, il a chauffé, je sais pas comment. Ah, mais il fait mal. Ah, ça va. Ouais, c'est ça aussi, il y en a qui n'avaient pas le temps de jouer aussi, hein. Je pense à Guillaume. Mathy aussi est toujours là. Avec la T là, c'est qui? Mathy est toujours là également. Lucas. Mais il joue plus arme. Pose ton arme, mets-le sur ton dos, prends ton arme, on va avancer un peu. Ouais. Dark, on avance sur ton dos. Ça marche. Je suis à l'intérieur de la maison, par contre, l'entrée de la maison se fait côté. Côté ville. Côté campagne. Du coup, vous avez commencé à avancer dans le village ou pas? Du coup, je m'arrête au même endroit, je vais pas venir par là, je sais pas trop comment ça se fait. Il y a des tirs qui viennent de derrière, je crois, non? Il y a des tirs qui viennent du sud. Faites attention, on a des tirs qui viennent du sud. Est-ce que c'est pas. T-Pex et French, on a avancé. Je m'écarte, hein, on vous attend sur position, oui, on a fait 50 mètres à peine. T'avais entendu ce mec, ils ont avancé un petit peu. Okay, il est mort def lui là. Il est mort, t'es sûr? Ouais, bah mon jeu aussi est en train de mourir. Et ah merde, il y a Rack. Il y a pas mal d'activités dans le village. Rack, tu m'entends? À notre ouest. Ah, il est mort def lui. On... À couvert, couvert. Snake, t'as vu, ils ont progressé un petit peu là. Ils sont où exactement? 50 mètres devant nous, mais bon. Ouais, je pense qu'ils ont progressé à l'ouest. Ah, le premier, premier bâtiment. À droite et à gauche. Vas-y, on y va. On va aller voir. Vas-y, j'avance. Oh, Snake, tu joues à la troisième personne. Oh, le tricheur. Ah, mon dieu. Ok, les gars, on est là. Ah, ok. Retour, les gars. D'où ça vient? Il y avait... 2,40 la maison double étage, il y a du contact encore au moins un mec au niveau du rez-de-chaussée mais entre les deux bâtiments. Et le tir de gros calibre se situe à peu près au 220. Vers 2.
J'ai pas vu, j'ai décédé, du coup je suis à la base. Ah putain. Ok, ouais, je le vends 200. Oh non, je vais pas faire taxi encore. Non, non, attends. Snake, pour info, si t'as besoin d'appui mortier ou support aérien, tu peux demander. C'est bien noté. Par contre, les gars, faut bien leur dire en fait, genre à l'équipe là qui est. Cap 122 là, 123-122 là, genre sud-est, qui ne tire pas dessus parce que je vois qu'ils nous visent et ils tirent. Donc, je sais pas ce qu'ils branlent les mecs, mais. Faut qu'ils ne tirent pas dessus. Hein. Qu'est-ce qu'ils nous tirent dessus là? Normalement, on est les seuls entrées, donc les ennemis sont pas entrées. Ok, non, mais parce que je vois un mec qui nous vise et qui tire dessus. Ouais, Chris, Iskur, tu peux passer l'info? Je vais faire un tir de roquette, hein. Ouais. Oh. À couvert! Vert de VR2, apparemment, on est pris à partie par des tirs alliés. Okay. Les gars, est-ce que autorisé faire un tir de roquette? T'as tiré dans le sol? Ok. De l'autre côté du compteur. Il a dû tuer des civils et découler. Mais prends ta balle, toi, t'es sérieux quoi? Il y a du mouvement dans le village en 260 et en 240. Ouais, je confirme. Attends, le viseur il est dégueulasse. Les gars, il faut la ramasser là. Oh, j'en change le viseur. Si tu veux, je me décale, moi je peux me décaler. Non. Les gars, on va avancer face au. Comment dire, à la direction dangereuse, ok? Formation ligne, ok? On avance petit à petit et si on voit quelque chose, on traite. Est-ce que c'est clair? Reçu, Snack. Attendez, je sais pas si c'est bonne idée maintenant. T'as dit quoi? Vous êtes toujours sur VR2. On peut laisser un mec ici pour qu'il nous protège le temps qu'on avance? Deux mecs. On a progressé un petit peu côté ouest. Et la mini, c'est pas qui c'est là devant. C'est moi. Non, okay. Mais il y a un autre gars, la non, mini avec la T là. Wow, c'est quoi ça? Oh là là, c'est qui ça? J'ai bug la tête. Ah, le gars, fais pas ça! Les gars, information tactique, il y a un contact dans le champ de plantes roses. je crois qu'il a un lance-roquette dans le dos. J'ai vu la roquette se balader dans le champ. Ça faisait une tâche. Ok. L'AMG, 230. L'AMG, tu vas te mettre ici quelque part là, tu trouves une position safe, genre par exemple dans ce bâtiment là, tu te mets dans ce bâtiment de la fenêtre. Ok. Rentrez dans le bâtiment, sinon vous allez vous prendre des balles. Ouais. Et je me fous là, ouais, j'ai compris. Non mais tu peux pas te déployer ton trébé, tu peux pas le déployer. French, y'en a un autre dans. Un peu plus loin derrière le bâtiment. Je te laisse pas, tu peux, ça je suis là. Ouais, visu, je recharge. On va avancer cap ouest. Est-ce que c'est reçu? Ouais, reçu. Ouais, passe pas devant là, Snake là, t'as fait un. Non, c'est qui ça? Il y en a un deuxième. Il a failli en prendre une. Salut The Farmer Twitch, salut à toi. Salut. Merci pour le follow. Salut, bienvenue à toi. Salut. Merci pour le sub. Quoi, vous m'avez entendu? Bah, oui. Oh là là, l'erreur de. Oh là, le débutant. Il en reste un derrière le mur. Les mecs qui jouent RP, ils disent bonjour à leur viewer. Les gars, ouais. Écoutez-moi. Genre les MG, elles restent ici pour nous couvrir, ok? Les MG, vous trouvez des positions pour nous couvrir. 300-600. 300, vous partez à gauche. 600, vous partez à droite. Ok, okay, reçu. On avance vers la direction dangereuse. 300, il y a French avec moi et Yann. Ouest alors, ok. Jax, non, pas ouest. Si, ouest, excuse-moi. Ouest cap 245. Derrière nous. Ok, faut qu'on bouge là, c'est pas bon de rester statique. On bouge, merci, go, on y va. French, tu viens avec moi. Attention que je passe devant. C'est qui l'assistant là avec moi? C'est moi, Iskur. Moi, Lucas. C'est Isaac, c'est ça? Ouais, c'est moi. Okay. Yann, t'es là-bas. Moyen. Je me dirais du verbe. Ouais, Snake, il reprend les habitudes. Ok, Je suis parti côté gauche. Ouais, je suis avec toi. 600, toi côté droite. Attention, Question, moi je suis quoi, je suis 300 ou 600? Oh, gaffe ouverture, hein. Merde. Dark. Passe en 600, Dark. Je suis lequel? Je suis 300 ou 600? Derrière. Dans le compound, j'ai vu deux troncs de packs armés. Ils sont au sud. Non, pardon, ils sont au nord du compound. Vas-y, French. Je répète, d'accord. Ils sont nord du campagne, vers le mur côté nord. Deux packs armés. Changez le mur, attention. Hop. Enfin, French a pris une tête. Spec. Grenade, sinon, grenade. Grenade dans le campagne.
Mec, tu tues, il ne prend pas de risque. Il est mort, Def. Oh putain de merde. Attends, je t'ai. T'as acheté ta grenade ou pas, Dark? Dark, t'as acheté. Fais gaffe, ouais. C'est mieux. J'en jette deux aussi. Parce que moi, je suis là, si je meurs, je peux relever personne, hein. Je traite. Rentrez pas, pour l'instant les autres ils sont en train d'essayer de passer de l'autre côté. Spex. Ouais. Reste safe, s'il te plaît. Dark, tu le vois ou pas? Vous êtes rentré côté droit là? Ouais, on est en train de croiser, ouais. Dark, j'ai besoin d'appui là, faut que je sois en train de rentrer. Attends, Snake, hein. Taking fire! Dark, tu le vois pas? Je traite tout ce que je vois, mais. Ok. Ok. Recharge. Shutter. Medic. J'arrive, t'énerve pas. Bon, c'est French, je reviens, pince. Merci, Space. Je vais de l'autre côté, y'a un mec à relever, Snake. Ok, bien pris. Ouais, les gars, y'a une brèche, hein, y'a une brèche. Après, je les ai abattus, les mecs. Vous êtes rentré de votre côté là? Fallait pas rentrer, fallait que tu attendes que le moment, ça me fait pas de problème. Vous êtes rentré ou pas? Oui. Il est où le blessé? Il est entre les deux maisons là au niveau de l'escalier là, l'échelle pardon. Bah faut que tu passes devant Chrisax là, si je sais pas ce qu'il y a derrière. C'est toi? Ah ouais. Ouais. Okay. Il y a un mec à terre. Je suis arrivé au bas, vous avez continué ouest, droite contact juste Pour info, ce mec, ils sont rentrés de l'autre côté. Nous on est rentré aussi les gars, on est dedans aussi. Ok. J'arrive pas à ouvrir les portes, mais bon. Ah putain! Ah, s'il te plaît, sauve-moi! Ah, je sais plus personne, j'arrive pas à aller. Ah, c'est bon. Mais il relève. Il a attendu la prochaine fois, parce qu'on avait même pas eu le temps de traverser, que t'étais déjà mort en fait. Ah, merci! Ah, oui, il y avait du monde dans le campagne. Yo Cantalus, ça vaut quoi? Pareil. T'as un maison clean aussi les gars. C'est clair, j'ai l'impression. Ok, campagne clair. Donc là faut trouver la cage d'armes. Attends, faut le noter sur la map du coup ce qu'on a visité. Ok, reçu. Snake, j'ai fait une croix là, tu confirmes que c'est bien celui-là? On a pris le compound. Hein. La position 034-011, clair. Ouais, c'est ça, c'est celui-là, il secure, il confirme. Ça va super, Cantalus là, en fait, les 10 ans de la team, ça fait super. Attends, faut qu'on fasse super attention en fait. Je vais regarder un truc, je vais monter. Les gars, on a dû. J'ai du contact plein est, mais du coup c'est pas pour nous, mais il y a quand même du contact plein est en fait au niveau de la campagne, c'est assez loin, je pourrais pas l'avoir sur, genre on a pas de TP avec nous. Non. Ok, bien pris. Bon allez, du coup on va se tomber, on continue. Attendez. Ok, donc ça c'est clear, bien joué T-Pex. Attends, mais on l'a visité celui-là aussi. Celui-là aussi on l'a visité. Oui. Ok, cette maison, on l'a pris cette maison là? Non, on est passé devant mais on n'a pas vérifié les maisons je crois. Ouais. Genre c'est celle-là sûre qu'il n'y a pas. Attends, tu veux que j'aille voir les petites maisons là qui sont à notre sud? Non, au pire on ira. Ouais, vas-y, tu peux les vas-y. J'y vais vite fait. French, quand vous avez progressé, vous avez regardé dans les maisons s'il y avait une cache d'armes? J'ai juste cette maison là moi. Au sud-est, on a des potes qui se font toucher là, je les vois tomber à pain. Ah, ça fight, hein.
Voilà. Les gars, mettez-vous à l'abri, Je l'ai traité, Je vais aller voir, même si je pense qu'il y a rien, mais on va aller check quand même. Dans mon avis, il y a rien. La porte, elle a l'air d'être fermée en plus. Je pense pas que je puisse l'ouvrir. Ah bah elle est ouverte. Effet visuel. Ok, ça c'est bon, de toute façon ça d'aller plus loin. Non non, contact sud, il y a du taliban sud, plein sud. Au niveau de carcasse de véhicule. C'est du taliban. Engagé, engagé. Tu vois, je m'en vais, ils font la guerre sans moi. Il est tombé. GG les gars. Tout le monde est dans la mission à fond, c'est cool. Mais ouais, c'est bien, gauche, c'est ça fait plaisir. C'est pourtant, tu vois, on n'a pas l'habitude de jouer ensemble, c'est vraiment. Il y a de tout là. Ça fait plaisir. Cap 150, c'est à nous, hein. Nous, n'ouvrez pas le feu. Snake pour info, vers 3, demandez un tir de mortier sur 033-011. On n'a pas de mortier. Ok, bien pris, messieurs. Les gars, on passe au campement de suivant, on avance. Reçu. Il y a eu 2-3 contacts de traité dans le campement de suivant en 260. On se rend compte, on se rend compte avec les deux équipes, c'est ça? Ouais, ils sont à gauche là. De French for Tipex, je suis revenu au VAB. Ah, ok, French. J'ai même pas saisi que Les gars, tout le monde en Ouais, Roger. Yes. On va penser, on va continuer plein est. Ouais. Ça va être. Vu qu'il y a pas mal de découvertes, on va essayer de faire un petit bond là, genre, je sais pas si vous le voyez, cap 320 de notre position, il y a un campement. Qui a l'air assez ouvert, mais avec un bâtiment à deux étages avec des trucs bleus, je sais pas si vous voyez. C'est celui qui vient d'allumer au mortier là. Non. Comment ça? Affirme. Oui, non, c'est bien ça, ouais, c'est on voit. Ok, rendez-vous là-bas. Ok, reçu. Foupoudave! Essayez d'évoluer, pareil, hein, en équipe, on essaie de rester groupé. On n'a pas de monde dedans, Escure, à nous, hein. On est d'accord? Je suis dans la maison. Clean. Négatif. On recherche une case d'armes, hein, Dark, si jamais. Justement, c'est pour ça que je. Ouais. On est. On est. Attends, je vais te dire ça rapidement. On est 9 à peu près par squad. Environ. Salut Choufric. Pour info, ce mec, il y a vers 3 qui est pas loin. Il t'entend pas. Snake, pour info, on a vert 3 qui est pas loin à notre nord. Ok, bien pris. Bon, en fait, le vert 3 c'est fumier vert. Sur position, fumier vert. Bah, si elle veut... Mais pourquoi j'arrive pas à les ouvrir hein? Ok. T'as. Ouais, bon, bref. Je monte dans la maison. Ok, attention, on a. Plein ouest, on a vert 3. Hein. Ils sont à 50 mètres, même pas. Ouais, je les vois, ouais. Wow. Ça nous engage. Sud. Ça venait du sud, le tir. C'est dans ma maison. Tipex. Tipex, c'est dans la musique. Bâtiment bleu, premier étage. Ok, j'arrive. C'est tout proche au sud, hein. J'en ai traité un 10 mètres. Hein. Mais la radio, barre-toi, la boussole. Okay. Check le sud, là, je sais pas qui est en bas du bâtiment escalier bleu. Iscu, regarde le sud, y'a du monde. Mais je crois qu'il est mort. Qui est mort à l'étage là? Wow. Il est mort. Ah ouais, il est mort.
pas où il est l'enfoiré. En plein ouais. Sud là, je vois pas. Ok, il est toujours sud, hein, je vais traiter un. Ah, je vais shoot tout à l'heure, hein, parce que j'ai la petite balle. T'es au sud. Je vais French. Ouais, 3 squads, c'est ça, picoler, ouais. 3 squads de 9. Alpha, bravo Charlie. Donc, Snake, il s'occupe de du groupe. Du groupe Bravo. Ah, ça, c'est Ross, il s'occupe du groupe Charlie. Et Code 34 s'occupe du groupe Alpha. Cap 240, les gars. Cap 240, je me fais tirer dessus. Ouais, 220 dans l'étage premier bâtiment. 220, 240. Là, elle est composée un peu de tout. Il a des cales à la fenêtre, au centre. Il y a eu quelques bugs à ce niveau-là, au niveau des classes. C'est une mission publique, en fait, on a invité tout, on a invité des abonnés et des guests pour les 10 ans, quoi. C'est un joueur, c'est sûr. Combien il décale. Où ça, tu dis ? Je regarde en bas, parce qu'il peut être... Yo Delta No Name, salut Alpha. Ah, il décale plus, hein. Ah ouais, mon 417, il doit faire mal. Hein. Ils ont peur par rapport à Escape. Ils ont rien à foutre, ça, Escape. Ah, si, il était à l'étage, le mec, Chris Axe. Non, on n'a pas reconnu ici, non, il m'entend pas. Chris Axe, il était à l'étage, le mec. Je cherche pas si c'est allé. S'il a l'étage, c'est pas un bot. Hein. Il a fait des décals de. Ah ouais, c'est papa, c'est papa. Il... Mais ouais, c'est sûr. S'il était au premier, j'ai tiré, il était déjà au deuxième quoi. On tire à la porte. Hein. Ouais, ouais, il a lâché le bot, il allait voir un autre. Oui, oui, il est en Zeus. Ouais. Il est en Zeus. Ouais. Collègue en 331. Dark de retour après crash du jeu. C'est la surprise, Alpha, c'était la surprise. Plein sud et encore du Pax. On n'a même pas fait un multi Twitch ou autre. Et là, il y a une autre qui vient nous rejoindre. Ils sont à notre nord-est là. Nord-ouest, pardon. Attends. Les gars, juste faire le point. Il y a qui dit vivant encore là. Il y a qui est au personnel. French. Puis Zax. Moi, à votre Kayane, j'ai pris une tête. Je suis sur la route pour vous rejoindre à passe. Ok, mais sinon tout le reste, tout le monde est là, on est d'accord. Ouais, moi je suis là, ouais. Ouais, y'a Thibaut qui a une déco là, son jeu a planté et pareil, il arrive. Dark. Spex. Ouais, ouais. Oh, j'ai chaud là. T'es où, tu fais quoi? Qu'est-ce qui se passe? Je sais pas, mais j'ai chaud aux fesses. Non, j'étais juste à votre sud là, du bâtiment, celui-là là. Les gars, il va falloir évoluer, hein. Il va falloir avancer c'est parce nul, que là, il y a l'équipe. C'est quoi, c'est vers 3 ça qui est en train de prendre les devants. Donc l'idée c'est pas de rester un peu en arrière, faut avancer avec eux. C'est une grenade que j'ai pris, une mine. Le tir portier est à nouveau de soi, tu m'as. Merci. Tu tires sur qui là? Les gars, le campement là, on est. Vous avez checké les bâtiments? Au sud, on a pas de check, mec. Il y a des bâtiments au sud. Traité. Je vais aller check.
Je suis au bâtiment sud, hein, campagne sud. Faites gaffe quand vous aurez fait, les gars. Mais t'es passé par où, toi? Oh non, mais il est juste le bâtiment là en face de toi. C'est toi qui est là-haut là? Ouais, c'est moi, c'est moi, c'est moi. Ok, c'est ok, moi. Ok. Ok, clear. Tiens, viens là, je pense. Dans ces bâtiments, il y avait énormément de monde. Les bâtiments à étage, il faudra faire gaffe aussi, hein. Il y en a encore. Ouais. Clear. Là, c'est clear, ouais. Clear, ok. Les deux sont clear. Attention, alors, on passe, French. Du coup, juste histoire de. Là c'est clear. Celui qui est en face de nous là. Attends, il faut que je me cache parce que sinon je vais me faire prendre tête. Ah oui. Le point qui habite Tipex dans le sud là, un peu plus au sud. Merci. Parce que vers 1 ils sont vers 1 là, parce que mec vers 1 genre ils ont c'est quoi un bâtiment depuis le début. Je peux demander leur position si tu veux, Snake. Parce que là non. Je veux bien que tu remontes un petit peu ouais, là, genre ils en sont où là vers 1. Ouais, parce que là clairement on est sur leur position. Ouais c'est ça en fait. Je vais. Je suis avec toi. Ah ok, ok. C'est moi. Oh là, oh là. Sud. J'ai vu Vera en visu, ils sont à 50 mètres au sud. Ils arrivent, ils rentrent dans le camp point qu'on est en train d'investir. Par contre, ils ont du monde. Ok. Ok, ce qu'on va faire, c'est qu'on va laisser tranquille. On va laisser tranquille, les gars, ok. Et on va continuer, genre cap. T'es où? T'es dans quel bâtiment? Je suis bien muré, mais. Non, c'est pas ça, là. Hein? Où t'es passé? Ah ok, visu. Oh doucement, qui me tire dessus là? Non mais c'est le mec, je sais pas où il est, mais il est visu. Aïe. Cache-toi, ça va être chaud là avec encore. Je sais, c'est pas allié hein, parce qu'il y a les alliés qui venaient de par là. Ouais, franchement je sais pas trop. Eh, dis à Vérin que c'est nous là dans le bâtiment. Iscure. Dis à vers 1 s'il te plaît que oh là là, laisse tomber. Qui sommes à leur nord. Ah c'est un TK, c'est ça que ça. Ok, oh là bien là, pris. Comme par hasard. Oui, c'est un TK. Vers 1 de vers 2. J'espère qu'il sert un fusil. Ah les mecs, je te jure. Ah mais ça, c'est t'es où French? Là, derrière toi, devant. De la maison bleue, vous avez pris plein ouest? Ah ouais, c'est un TK ça, moi aussi je me suis allumé. Ils ont, ils en tombent 3. C'est nous, hein. Tu fais que c'était mort? Non, c'est bon, je me suis soigné. Ah bravo, Vera! Merci. Ouais, tu vois, elle est en train de nous regarder. Ouais, y'a qui du 2? Y'a Oliver, y'a Ran, y'a. Bravo! Ben, bravo, les gars! En plus, on était en train de dire qu'on en arrivait sur leur position et boum, on se fait allumer par eux. Ouais, mais genre faites gaffe parce qu'en fait, ils sont à notre sud. Donc faites gaffe quand vous ouvrez le feu. Hein. Je vous rappelle, les gars, direction dangereuse, elle est cap ouest. Ma fille, y'a des tirs en ouest encore. Eh ben. Ça va, ça fait 2 kills. 2 team kills? Non. 2 kills ou 2 team kills? Faire des TK, c'est contagieux. J'en ai pas fait moi. Les gars, j'ai marqué 2 bâtiments sur la carte où y'a pas de cache. Là, il faut aller voir en fait vers le. Faut aller voir les 2 bâtiments dans le campement de nord là. Les 3 bâtiments, pardon. Reçu Snake. Merci. On se regroupe peut-être parce que là on est tous éparpillés. Affirmatif. Rendez-vous au bâtiment à 3 étages là. Enfin, 2 étages. Escalier bleu là? Balcon bleu? Non, le bâtiment gris, enfin, genre. Dans le campement où on est actuellement là, il y a un bâtiment assez. Mais c'est pas celui-là, je pense pas.
Ok, bon, on est tous là alors. Attends, il manque du monde. Il y a Dark qui arrive à pince ici là. Ok. On peut toujours pourvrir des flèches dans le jeu de mort, putain. Mais... Ah non, non, ouais. On va installer un mode. Bah, au moins, c'est pas des vitres par balle. Ouais, du coup, à notre sud, il y a Vérin qui nous ont allumé, mais bon. Bah, je l'aurais transmis, ouais, mais j'ai pas de réponse, ouais. Ouais. Ils sont fusillés à la sortie. C'est qui leur radio chez eux? Je sais plus. D'accord. Je crois que c'est Fadmars, ouais. Ah, bah, il a... ça fonctionne pas, lui. Ah bah voilà. Ah non mais Fred, ils auraient jamais dû prendre Fred, sa connexion est merde. Si c'est lui, en tout cas c'est... En gros tu l'as jamais entendu parler à la radio? Ouais, non pas. Ouais d'accord, ok. J'ai entendu Rackboy mais... Ouais Rackboy, oui ça m'étonne pas. Heureusement qu'il l'a pris. Snake, t'es là-haut là? Ouais, affirmative. On fait quoi, on bouge? Ah ouais, j'ai marqué, j'ai rayé le mauvais bâtiment, attends. J'ai rayé le mauvais bâtiment. Ouf, attends. Ah ouais, d'ouf, attends. Ah ouais, d'ouf. Attends, c'est celui-là. Regroup. Et celui-là. Que j'éclaire. Du coup, là on est, y a pas de cache. Ah non, ici. Ouais. Fais gaffe, ça c'est le là où on était tout à l'heure, ça. Hein. C'est là où il y avait Vérin. C'est là où on est, là où il a croisé. Ah d'accord. C'est là où on est, c'est là où on est. Ok. Et là, faut aller vers l'ouest. Donc il y a deux bâtiments à l'ouest là, tu sais, qui manquent là. Juste en bas là. Ouais. Ok. Ouais. Vous pouvez les checker s'il vous plaît? Ouais, on y va. Genre, allez-y, genre deux groupes qui vont. Il y a deux petits bâtiments dans le camp pendant. Qui vient avec moi? Je suis dans un là déjà. J'avance, je sais pas qui je suis. Vas-y, je vais aller dans l'autre. Ok, là c'est clear. C'est clear? Clear, ouais. Attends. D'accord. A tous les coups, ça va être de l'autre côté de la route sur Tapen Park Tark. Enfin, de l'autre côté de la rivière, pardon, à l'ouest. Ah, oh bah oui, c'est à côté, c'est facile. Thomas! Vas-y, je viens avec vous, parce que j'arrive pas à ouvrir les portes. Merci pour ta donation, Thomas. Merci. Bah, je suis tout libre. Ok, c'est bon, c'est clair. Leader, j'arrive enfin à la LZ de Verbu. C'est ça que c'est. Collègue de l'autre côté de la rivière. Hein. Ah ouais? Ouais, ils sont à mon 200 là. Ouais, ils avancent. Chris Axe, ils sont seulement en train. En fait, t'as dû dire le. Ouais, c'est bon, c'est clair. Non, mais je fais clic molette, mais je pense que c'est peut-être. Si t'as pas téléchargé la bonne map, en fait, il y avait des maps où vous pouvez pas ouvrir les portes. Ah merde. Mais en fait, j'ai l'interaction, mais ça fait rien avec ma barre d'espace. Donc j'ai peut-être. Bah, du coup, ils ont traversé Vérin là? Ouais, ils ont traversé, traversé la rivière. Attends. Vérin traversé, je les ai vus, je les ai en visu. Ouais, là, ils sont à mes 200, là, je les vois. Merci Thomas, ouais, encore, merci. Genre, t'es tel, tu m'entends, ok, nickel. Iskur, écoute, genre, tu vois sur la carte, les bâtiments qui sont à notre nord, là. Genre, est-ce qu'ils ont été... Ouais, il y a eu l'autre équipe qui a pu dire, là. Au nord de notre position, là. Non, c'est de là où on doit. T'as du contact, French? Plutôt non, ouais, normalement, oui. Parce qu'il est... Attends. Ah, je me fais peur. Il y a un pick-up là? Ouais. Deux pick-up? Au tout début, ils ont clear les bâtiments qu'on avait déjà clear en fait. T'as un pick-up armé, non? Deux pick-up armés, ouais. Ah, c'est eux qui nous ont fait mal tout à l'heure. Mais en fait, j'ai pas compris. Ils sont vers 3, ils devraient pas passer par là. Ah, si, d'accord. Les gars, écoutez-moi. En fait, le problème, c'est que là, je pense qu'il y a une grosse confusion. Est-ce que tu peux faire un point topo avec Vert 3, savoir ce qu'ils ont fait exactement et par où ils sont passés? Ah, ok, ouais. Merci, Iskur. Ouais, t'as raison, parce qu'ils sont passés au même endroit que nous après. Ouais, bah là, tu sais où. De toute façon, ça va être de l'autre côté de la route. Hein. L'autre à gauche, c'est un armé, en fait. Ouais, c'est je sais pas si l'infanterie peut. C'est peut-être essayer de venir d'aller dedans, mais. Qui ça? Tu veux dire les ennemis? Ouais, s'il y en a un qui se promène, je sais pas s'il va prendre l'initiative. Ah, il peut. Surtout si c'est Dieu. c'est Dieu. Faudra peut-être le neutraliser, peut-être le véhicule. Ouais. Où les chars? Ouais, Snake, pour info, alors Vert 3 est allé en fait prendre taper Tark. Ils ont été décimés sur place apparemment, il y a une forte présence incendie. Ah, c'est là-dedans, c'est là-dedans, c'est sûr. Regarde au fond, Yann, au fond. Ouais.
on sait où ils sont, SQ1. J'ai pas de visuel. Non, non, il y en a un qui est passé. Entrée ouest là. Du village, hein. Ouais, ouais, ouais. Il y a un truc qui est couché, il est mort. Pour info, on a visu sur l'entrée de ce bâtiment, de ce campement, justement, il y a du Pax à l'intérieur. A mon avis, elle est dedans, la cage d'armes. Ouais, il faut viser derrière. Moi, j'ai au moins visu sur deux, moi. Par contre, juste pour info, à 10 mètres de notre position, on a un pick-up armé ennemi. Il y a deux pick-up, Attends, qui passent. Genre, le cache serait où dans quel campement? Excuse-moi, si tu peux répéter. À taper Tark, là, qui est à notre ouest, là, nord-nord-ouest. Ok, bien pris. Est-ce qu'on peut demander une frappe d'artillerie sur place? Oh, ça tire, ça sert à comprendre. Attends, pas maintenant, pas maintenant. Garde leur tête, je te dirai quand tu feras la demande. Ok, on suit. Est-ce qu'on n'a pas Vérin qui essaie d'y aller justement? Faire attention à ça aussi. Mais on n'a pas de communication avec Vérin. Devant moi, te lève pas. Vérin, je les ai en visu, une partie de leur équipe, ils ont juste traversé la rivière. Tu regardes où, Dark, là? Au 280, je crois. Abattu, traité, y'en a un traité. La batteuse, tue la tête, t'attends pas, traite. Mais la batteuse, appuie sur C, Voilà, c'est mieux, vas-y maintenant tu traites. Traité dans le buisson, traité. Je recharge. Tu leur expliques à ces petits jeunes. Un snake, on a un pick-up armé là, 15-20 mètres de notre position. Ok, poussez-vous, laissez-moi faire. Ok, c'est parti. Non mais il y a personne dedans. On a un chef AT, il y a un chef. On peut peut-être l'utiliser, hein, mais je suis pas sûr. Ouais, les chefs, c'est les chefs. Hein. Ah, les chefs, ils font tout ici, quoi. Attends. Ouais, enfin, il va peut-être nous mettre un pruneau dans le dessus. Ouais, il fait peur avec sa roquette. Reculez. Non mais pas lui, c'est pas lui le pick-up armé. Ah, c'est pas lui. Non. Non, il est plus armé, celui-là. À gauche, il y a un, Je vais monter sur le toit. Oh là là. Je le sens. Je le sens pas. Le toit, il va partir avec. Hein. Sniper conseil, descend. Mets-toi à l'abri. Pendant vers 3, ils sont à notre est. Et vers unité, on atteint la position. Ils balanceront un fumier sur la position. Ouais, mais ils ont pas de com. Si tu me dis que c'est Fred. Bah, apparemment, ça y est, ça communique. D'accord, ok. Pas qui c'est, mais il y a de la com. Avec des feux de lire. Ouais. Sinon ça fait quoi? Ça fait les 10 ans, Alpha. Ils prennent un tapis, ça fait les 10 ans de la team. Attention le chef. Allez. Regardez comme il est beau là. Ouais, il est beau là. Mettez la musique. Pour moi il vise pas le bon. Hein. Ouais, c'est celui de gauche chef. Hein. Mais c'est lequel l'armée, je comprends pas. Celui de gauche derrière les arbres, je suis pas sûr que tu le vois. Il est à côté d'un muret. Mais tout à l'heure quand je visais celui-là, tu me disais que c'était pas le bon. Bah ça, là c'est le bon. Il y en a deux de face là, je comprends pas, j'avoue. Il y a fumier blanc. Là où il y a le fumier blanc, ouais. Fumier blanc. Ah mais les gars, faut faire des efforts. Parce que moi, quand je prends le bon, vous me dites c'est pas le bon, après vous me dites c'est l'autre. Ah, comme dirait papa, ordre contre ordre, désordre. Ah mais comment ça, gros? Comment ça? Les mecs, c'était sur le bon depuis tout. Depuis j'étais sur le bon, hein. Vous me dites non, c'est celui de droite. Fumier vert, Snake, fumier vert, Snake. Ah ouais, non, mais là, ça va pas le faire, je vais tout faire péter, les gars. Pour info, le véhicule est derrière la fumée blanche. Le véhicule à traiter. Pour info, vers 3 et à notre est, vers unité et à notre nord. Visu sur vers 1 et ils avancent. Il y a encore des mecs qui passent là dans. Ils font de droite gauche là. Vers 1 avance vers le nord, je pense vers le compound. Oh la snake, fais gaffe. GG, c'était bon week. C'était le bon, ouais. Ah non, merde, c'était l'autre, désolé. Ok, visu sur Vérin. Vérin, ils sont cap 220 à 50 mètres. Pour un fond, Vérin, ils sont cap 220 à 50 mètres, là, de notre position. Ouais, aussi.
les gars. Ouais. Qui a mes roquettes depuis tout à l'heure, s'il vous plaît? Je crois que c'est celui qui a crash. Ok, super. De quoi? Party time. Merci pour ton sub, l'ami, merci. Merci, merci pour le soutien. C'est Snake, c'est French qui tient. Tu tires sur quoi, tu tires sur quoi, bon? T'es taliban. Vas-y, ouvre le feu, là, vas-y. En fait, il va falloir qu'on aille là-bas entre les 15 zones au nord, en fait. Regarde, ouvre la carte, c'est ici, là. Vas-y, okay. Ouais, ok. Parce qu'en fait, elle n'est pas claire. Enfin, d'accord. C'est un problème. Et du coup, on ne peut pas avancer si elle n'est pas claire. Donc, venons la clear vite fait, ça prend 30 secondes. On fait des équipes, on fait deux équipes. Qu'est-ce qui marche devant là? Ah, c'est un lapin. Elle m'a posé un lapin. venez, on fait deux équipes et on progresse rapidement, ok? Ok, écoutez-moi, on split les bâtiments en deux, d'accord? Genre, on fait comme ça, regardez. Genre, en fait, il y a une équipe qui prend les bâtiments de droite, l'autre qui prend les bâtiments de gauche. C'est bon? Ok, yeah. Okay. Je prends à droite. Vas-y. Je prends, ouais. Juste, j'en veux trois avec moi. C'est pas que t'en prends trois, j'en prends trois avec moi. Vous deux, venez avec moi. Ok. Okay. Je suis un gars, je sais pas qui, mais je suis. C'est moi. Tiens, je reste là-haut pour l'instant. Oh, notre MG est tombé. Notre MG est tombé. 200 mètres, front. Non, un taliban est venu sur moi, mais j'ai réussi à l'avoir. Il est monté sur le toit, là. Oh, là. T'es mort, ouais, ouais. C'était un taliban Zeus. Papa. Papa. C'est un super dur, en fait. On passe de l'autre côté, les gars. Il y en a deux véhicules, l'approche. Hein. Ouais, c'est un VAB, ça. Il y a déjà clair ce bâtiment là, ouais. Non, attends, j'ai une connerie. Bon, on va checker quand même. Il serait ouvert, je pense. Ouais. Il serait ouvert. Je suis. Ok. Peut-être passer devant, parce que toi t'es médecin. Ouais. Vas-y. Je suis. Les portes sont ouvertes dans, ouais, le bâtiment, dans le coin nord-est. Bâtiment clair. Bâtiment clair. Non, c'est magique. J'ouvre les portes pour. Ouais, c'est. Je trouve ça très bien. Ok, les gars, rassemblement, je trouve qu'en fait ça a été fait. Ils les ont fait, en fait, c'est ce qu'ils ont remarqué, mais ils les ont fait. On aurait peut-être dû dire à tout le monde de marquer des trucs quand ils sont faits, mais ils les ont fait, en fait. Donc vous pouvez revenir rassemblement. Merci encore, hein. Tea time. Est-ce qu'on recolle? Ouais. Il veut pas me laisser sortir, est-ce que. On se rassemble et on se repart à traverser en face. On peut snake. Je pense qu'on peut prendre appui au niveau des gros rochers. On aura un visu sur les hauteurs sur ta paytark là. Je reste sur ma position en hauteur ou je vous rejoins? Alpha, merci pour le sub. Delta No Name, merci à toi. Merci pour le soutien. Écoute bien parce qu'il se peut qu'en fait il y a encore un sort de French boy qui te voit un tapé de bière qui te rush. T-Pex, tu sais quoi? Ah, tu parles de Sébastien, tu sais où j'ai là? Les rochers, on peut prendre appui dessus. Vas-y, c'est une bonne initiative. Let's go. Ok. Tout le monde est là? On est que 6, c'est ça? Il reste la MJ sur les toits. Ouais, c'est non, mais t'occupes pas, la MJ, c'est les stocks. Ok, la MJ t'occupe pas, t'inquiète. MJ, on va prendre appui sur les rochers là. On peut traverser là, par ici? Ouais, c'est bon. Snake, pour info, il faut qu'on appuie vers unité qui tout le monde traverse en même temps. D'assaut tapé Tark. Ouais, je cover là. Ok. On traverse deux par deux. On s'appuie. Ok. Je vois vers unité, ils sont actuellement en stand-by, c'est ça? Il y a un VAB à notre nord là. Ouais, depuis tout à l'heure, ils sont à stand-by à 200. Un VAB arrive sur votre position. Ok, vous nous appuyez, Dark et votre Yann. Et oula! Les MS sont toujours aussi quêtes dans le jeu. Et au moins un peu nager, mec! Hein. Ouais, mais putain! Le gars qui arrive à nager avec un athlète dans le dos, je crois pas. Ah, il est fort, il a de la force dans les bras. Ouais, je pense qu'en vrai, ça fait blou. Il a 70 kilos sur le dos, mais t'inquiète, il gère. Mais t'inquiète, je flotte. 70, t'es gentil, gros. Vas-y, go. Il est là.
Y'a Kessax qui arrive, non? C'est bon? Non, c'est bon, c'est bon, je suis là. Qu'est-ce qu'il y a au fond là-bas? Ah, c'est Iskur, c'est Iskur. Ouais, c'est bon. Les gars. Attends, les gars là, attends, vous pouvez faire son rassemblement vite fait là, n'avancez pas trop, revenez vite fait. Juste vite fait, le MJ, tu restes sur le toit, tu nous montres avant un putain de visu. T'as un scope, on est d'accord? Yes. Ok, très bien, tu vas rester là-bas. Juste un truc, les gars, essayez de couvrir 3-6, hein, quand on prend position quelque part, ne restez pas tous au même endroit comme des gars, essayez vraiment de prendre des positions un peu séparées. Si on se mange un coup de mortier, on va morfler si on est tous rassemblés. Essayez de couvrir 3-6, ok, 360 degrés, ouais. Chacun prend une direction, un azimut, comme ça pour couvrir un maximum de zone, ok. Ok, bah attention, en cap 200, on a Vérin. Oui, bien pris. Les gars, on va demander une frappe de mortier. Parce que du coup, ça va nous permettre un petit peu de clair la zone en face de nous et de pouvoir avancer. Faut prévenir Vérin. Et le sûr. Aussi, hein, demande à Vérin, s'il te plaît, de ne pas avancer et d'attendre en fait les ordres et qu'en fait on va envoyer une frappe de mortier avant. Monsieur. En tout cas, on voit que t'as repris les choses en main là, t'as retrouvé tes habitudes. ouais, c'est encore un peu compliqué en vérité. Ouais, mais ça va, c'est ok. Ça va. Ah, ouais, Snake, tu peux répéter, il y avait une com déjà. Ah, excuse-moi, ok. T'es moi là? C'est toi là? Ouais. Ok, je te disais, en gros, demande à vers 1, donc vers unité, de ne pas avancer, ok? De rester là où ils sont. On va demander une frappe d'artillerie, et une fois que la frappe d'artillerie sera passée, on pourra progresser en ligne, ok? Eux rentreront sur le flanc gauche, donc côté ouest. Nous, on va prendre la brèche là, qui est au centre, et vers... Ils sont vers 3. Ils arrivent en VAB là, ils sont arrivés en VAB. Okay. Ouais, ils sont derrière nous là. Déjà, tu vas demander à vers 3 de se positionner à droite, donc c'est au nord du campement, ok? Une fois que la frappe d'artillerie est passée, on va essayer de faire un assaut groupé. Okay, on rentre tous par un flanc et on les prend en étau. Comme ça. Ok. Ça sent le team kill. Ah, pour l'instant, ils bougent pas vers 1, ça va. Ouais, vers 1 bouge pas, c'est ok. On se met en appui sur les murs extérieurs, on attend. Vers 2 pour vert. Non, on reste ici. Ils ont l'artillerie, on est d'accord, qu'ils sont précis, ils font pas des frappes chirurgicales à plus ou moins 30. Parce que là, on est un peu proche quand même. C'est un peu, ça dépend, c'est quoi comme artillerie en fait. Enfin, sinon, c'est gâché. Là, chut, Iskur, il est en comme ça. De mortier. Et ensuite, prendre la zone à un étau. C'est mieux. Une fois que le tir de mortier sera effectué. Bon, pour l'instant ils bougent pas, ils sont en train de s'organiser là-bas. Va aller checker un petit peu le jumel. Ouais, donc il y a le VAB qui se rapproche là. Ah, ouais, donc il va se mettre droit, je pense. Eh hey, gros, je suis arrivé, je n'ai pas fait d'arma depuis 3 ans. J'arrive et j'ai déjà 3 équipes. Bah, Snake, là il y a vers 3 qui va arriver sur leur position. Une fois qu'ils sont en position, la demande de mortier va être demandée. Ok. Et ensuite, ça sera là. Ah, ils ont du contact vers 3 là. Ouais, bah... J'ai marqué, si tu veux... Ouais, c'est clair, J-Boot, ça fait plaisir. Ouais. Je sais pas si tu les vois. C'est des points. Ah, il sait même faire les logos et tout, oh là 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 là. Attends, je sais bien, ouais, t'es mort. Merde, putain. Tu mets des flèches pour l'insertion et tout, là? Ouais, moi je dis, il va être bien, là, sur PS. Ah bah ouais, en commandant. Ça te dit, oh là, ça y est, c'est parti. Ouais, ça y est. Non, ça arrive. Moi j'ai couché, je sais pas pourquoi. Yann Airtox. Reculez les gars, reculez. Reculez, on est trop proche, on est trop proche les gars. On est vraiment trop proche. J'aime bien être en première loge. On se prend une frappe dans la tête et là. Ah, de ouf, c'est bon. Attends, tu disais quoi, genre, j'ai pas compris, t'as dit quoi, Tipex tout à l'heure? Un post-scriptum, tu connais?
Quoi ? En gros, c'est post-scriptum, c'est squad en mode seconde guerre mondiale. Oui. Si un jour tu détestes. Ah, t'aimes pas les. Non, mais t'aimes pas quand y a pas de viseur, toi, c'est vrai. Ici, t'as deux ambassadeurs de PS, donc si tu veux. Si, ça y est, ça bouge. Deux, trois packs. Ça bouge. Bah, y'a partenaire aussi. Les gars, prenez appui sur les rochers, ok. Et si vous voyez le moindre mouvement en face, n'hésitez pas à ouvrir le feu. Ah, Snake, on peut lancer là. Ah. Ok, Iskur, tu peux coordonner la journée des trois teams, ok. Ils arrivent vers un. Ils arrivent en fait sur les murs, ne pas rentrer. Donc je te souhaite de se coller au mur. Merci, Iskur. Ok, on. La bouge en face. Mais viens de pas rentrer. Vas-y, go, on avance. Go, Ah, je suis remonté là. Non, j'ai French. Il y en a encore. Regarde, faites à gauche, il y a des alliés. Ouais, à gauche, Dark. J'avance. Je rentre. Tout le monde. Le chef de groupe de vert 2 demande à vert unité et vert. Ils sont rentrés. Les mecs sont rentrés dans le bâtiment. Là, ils sont en train de tirer. Fais gaffe, on rentre aussi. Ok, ils peuvent rentrer, hein, mais faites bien de faire gaffe où ils tirent, de parler vers trop aussi. Ok, bien fait. Traité, il y en avait un à droite. Checker les bâtiments là. Par contre, essaye d'être plus à couvert, frérot. T'es beaucoup trop exposé, fais gaffe. Sur la gauche, gros, ils peuvent arriver à gauche, là, tu vois, il y a des trous dans les murs. Ouais, ils peuvent ouvrir les bâtiments aussi, attention. Hein. Non, je me suis planté là, c'est pas celui-là. Derrière le muret pour nous là. Moi je prends pas de risque à les copains, je suis médic donc je prends pas de risque. C'est les apos. Je suis médic, chef d'équipe. Les gars, vous voulez prendre le trou de gauche là. Streamer, coordinateur. Ouais, cap 245. Tu veux que je reste dessus? Je reste en mire dessus. Ouais, attends, ah là, on a perdu Pessax là. Faites gaffe aux grenades hein, restez pas trop proche. Vous m'entendez pas? Ran, tu nous entends, Ran? Ouais, m'entends pas. Affirme. Qu'est-ce que tu veux que je leur dise, c'est que j'y m'entends de moi. Ah, mais fille, à l'extérieur, à l'ouest. Hein. Ok. Info de Vera, on a des mecs à l'extérieur, à l'ouest. Sur votre droite, les gars, sur votre droite, il y a un mec juste au pied de votre. Au fond du camp de pendre. Allongé. Non. Traité 2. Ipex, on a le chef qui est tombé là. Ouais, attends. Ça venait de l'ouest là. Check-moi les ouvertures à l'ouest, Yann. Il est où Snake là? Ok, il y a une unité qui est au nord du compound. Très. Ah, mais ça va être chaud de le relever là. Prudence, ça tient encore. Vas-y, j'avance. Iskur. Ouais. Check les entrées à l'ouest, à l'heure il y avait un mec. Ok, je relève Snake. Ah, ok. Il y a debout, chef. Merci les gars. Vas-y, progresse Yann là. Faites gaffe à gauche. Wouah, il est fumé, c'est énorme. Yann, Tipex leader, attention à votre droite. Wow, ça vient d'où? Je suis perdu. Mec, fais gaffe que tu regardes gauche. Je recharge. Attention, c'est nous. Oh, ça fait peur. C'est moi. Dans le bâtiment, il y en a un, Snake, je crois. Snake, dans le bâtiment, là.
Oh là, faut que je passe de l'autre côté du mur. Bon bah c'est terminé pour lui. Ok. Je recharge. Je suis tombé mais je crois que j'ai battu le gars qui était dans une baraque collée à vous les gars. Je sais pas si vous m'entendez. Ah je l'ai eu Yann. Ok bah je... Wouh fille pareil. Ce mec il y a encore du monde de ce côté là. Fais gaffe. Dans le bâtiment j'ai pas regardé. Ok. Oh putain. Je sais où est la cage d'armes. Dans la grotte, dans la grotte. Ah oh merde, je suis mort def. Hey, ils peuvent même pas me soigner. Ils peuvent même pas soigner. Snake dans la grotte. Yann, attends-moi. Pour info, Snake, il y a une grotte. Il y a une grotte sur ton ta droite là, sur en contrebas. Tu regarderas, fais gaffe, il y a un mec juste à côté qui est couché. Les gars, rentrons, je comprends, les gars. Y'a un quad, Pex, on peut le prendre ou c'est... Il est où le quad? Là, là. Bah vas-y, viens. Je suis avec toi. Ah, y'avait une grotte, je suis deg. Mec, je me suis fait buter juste devant la grotte. Attends, là, je saute là-bas, alors on a un quad. Elle est partie. C'est ça. Ah oui, exact. Ah, l'autocollant. J'ai bien écolé ça. Ok, si tu veux, tu peux faire un comme radio, s'il te plaît. On a un petit tir sur la côte d'accueil d'armes. Ok, on se trouve. Elle était bien planquée, les gars. Elle était bien planquée. J'ai eu le gars qui était dans la baraque. Non, tu l'as pas eu. Ah, non. J'ai mis le chargeur, on comprend, mais. Ils enquêtent. Mmh. Ah, il était allongé, mais il regardait plus l'entrée après. Sûr. Demande-leur ce qu'on doit faire. Ouf. Oh, bah, oh, Dieu. Toi, ils sont où les bâtiments? Je les vois pas, on est si loin que ça. Non, c'est bon, les gars, un toit avec un petit tour. Salut, les gars. Salut. Je vais encore prendre la partie. C'est qui les touristes là? Ah, c'est moi, c'est Zach. Ah oh merde, qu'est-ce que c'est que ça? Je savais pas vu qu'il y avait des clubs. Nous on a trouvé hein. Bye, il a pop. Allez, salut. Salut, on fait prendre de l'air. Ah, j'ai piqué mais j'ai fait deux fois donc... Vous êtes venu à pied là deux fois? Bah, fallait prendre. Je suis venu à pied deux fois. Non, mais. Une fois j'ai pris une tête, une fois j'étais blessé, mais j'étais mort en fait. Ouais. Je suis mort, je suis oublié. Oh merde. Attends, on va se soigner. On va se soigner. Leader, vous êtes positionné où? Soigne-toi, descends et soigne-toi. Dakara, bienvenue à toi. C'est bon. Là à droite, t'as le visage. Ouais. Et après, bah, on avait avancé ouest. Hein, on avait traversé la rivière, donc... Ouais. Le babili. C'est qui les touristes en quad, là? C'est nous, French. Sur le quad, c'est Tipex, c'est... On arrive sans. Il est cassé. Il avance plus trop. Tu l'as cassé. À mon bras. Un peu sur votre gauche là. Merci. Attends, on a un GPS, c'est énorme. Ouais. C'est la classe. On peut peut-être finir à tuer là pour essayer de faire du potin, je sais pas. Vas-y. Non, il va falloir tout le monde à la radio là. Un peu de nage. Mais il veut pas l'enlever hein, à chaque fois le silencieux. Voilà. Quoi, il est au bout de sa vie, ouais, mais en même temps il a percuté 2-3 brindilles de bois, 2-3 buissons. Elle est belle l'eau. Hein. Ouf, je crois que j'allais me noyer. C'est normal qu'il fasse ce bruit là, je suis essoufflé, c'est ça? J'ai tellement plus l'habitude de jouer à Arma.
Ah, ils ont trouvé la cache d'armes, je suis sûr. Je suis sûr ils sont rentrés dans la cache d'armes et tout, quoi. Hein? Non, je dis, ils ont dû trouver la cache d'armes, là, parce que vu qu'elle devait être dans la grotte, là, le sous-sol. Ouais. Reculez, ça va péter! Reculez, ça va péter! Reculez! Reculez! Oh! Détonation dans 3! Ah, bien joué, papa. 1! Bien joué, papa. Ah ouais, j'ai même pas vu l'explosion, rien. Ah oui, d'accord, elle était là, la cache d'armes. Il est mort, Non, il s'est fait coucher aussi, Bien joué, papa. Il nous a découpé, on était trop... On croyait trop que c'était la fête, quoi. C'est quoi qui t'a traité? Ça se passe comment, Alpha, chez Rag Boy? Ça va? Ah, RIP, ouais, Thomas, là, j'ai trop avancé comme un touriste, ouais. J'ai oublié que... qu'il y avait des ennemis. J'ai besoin d'un trop bonne ambiance. Ah, médic! Sur le toit là, sur mon toit. Ah, médic! Je sais pas s'ils m'entendent. Tipex, t'étais loin ou pas? Non, je suis juste à l'est à la sortie du compound. Il faudra un médic là. On peut me réanimer. Ah, mais en fait. Mais t'es loin toi aussi, Tipex, t'es down? Ouais, je suis au sol. Pareil, je suis à la main, du coup j'ai pris le poste. Faites attention, pas loin de la cage d'armes, il y a encore des ennemis, hein, juste pour info. Il est près d'une grotte. Ouais, la grotte, c'est la cage d'armes, c'est ça, non, Alpha? Médic! Attends, je vais augmenter les... Les gars, il y a des talibans qui nous rushent, les gars. Prenez position sur des bâtiments, des bâtiments, putain. Médic! Il m'entend, lui, il m'entend. Alors, reçu. Eh, y'a pas un médecin dans le coin? Oh non, j'ai pas envie de revenir là, de faire tout le chemin. Fumis-le! 245, ouais. Iskure, si tu m'entends, tu peux pas demander un. Ah, attends, c'est toi, Chrisax. Ah bah voilà, mais on fait le malin en passant devant à côté de moi. Tu vas te faire buter si tu restes là, surtout. Check les rochers à. Ça a coupé, tu vexes. À ton ouest. À ton ouest, check les rochers. Dans ton dos! Y'a un gars qui traîne dans le coin. Il était à côté de moi, il m'a même pas vu ce con. Ah bah moi je vais te dire, c'est papa qui l'a pris en main et il m'a découpé, hein. Ah ouais, mais il était gugu, c'est allongé là. Mais comment je fais pour te soigner? Ouais, je sais pas. Demande s'il y a pas un médic dans le coin là, ils sont tous là, là, à l'entrée là, à l'ouest. Ah mais t'es pas médic, Chrisax, ouais, tu pourras pas. Attends, si je pique ton... D'accord. Ouais, tu peux pas. Et les gars, quelqu'un est médic? Y'a Snake là-haut. Et Sarah, ça repose. Snake, pour info, ceux qui ont réussi à rentrer dans l'endroit, dans la grotte, vont tout faire péter, hein. Il est là, Tipex, viens, il est juste là. Mais sûr, ils ont réussi à rentrer dans la grotte? Ouais, ils ont glitch. Il est au bord de deux rochers là. Ils ont glitch. Il a voulu me narguer avec son quad tout à l'heure, bah voilà, ça y est. Ils ont réussi à passer à la porte. Bah, il m'a pas suivi. Ah lol. Allo? Vous m'entendez? Attack! Ouais, je suis dans la grotte là. Allez, fais tout péter, attack! Là mais attends, on a pas d'explosif, tu peux dire à Snake qui vient avec son explosif. Snake, y'a Otak qui est dans la grotte, faut que tu ailles lui donner de l'explo. Il est dans les buissons là, enfin dans les rochers devant toi là, encore. Ouais, on est dans la même team là. Okay, là. Je veux de l'explo là. Eh, hey, faut envoyer Snake sur Otak là, il faut de l'explo. Attends, mais... Ça, c'est Il est où Otak? Il est sous nous là? Otak, il est derrière toi je crois, il y a une grotte derrière. Oh non, je suis mort d'F, ça met trop de temps. Oh putain, la poisse. Oh là là. Ready for orders. Je suis dégueu. C'est pas grave, je ferai attention hein, la prochaine fois. Papa il m'a calmé du coup. Je vais juste reprendre un autre viseur parce que... Il était naze celui-là. Ok, c'est bon. Bon, toujours le silencieux. Il va en avoir beaucoup des silencieux par terre. Oh, t'es fou, moi je prends un VAB. Hein. Ah ouais, obligé, hein. Tant pis. Hein. Je sais pas, ouais, non, je pense que ça va être la fin de la game là. Squad lead, j'arrive au niveau du VAB. Il y a personne à aller chercher à la base tant que je suis là.
Bah moi je suis à la base, j'allais prendre un VAB. Bah sinon je peux prendre, j'arrive au niveau de VAB, je peux le prendre et faire un tour s'il y a besoin. Ouais si tu peux, je veux bien. Bah je vais faire ça. Je demande un truc à papa. Ah bah tiens, il est là papa. Non, j'ai pas entendu là. Papa. Ah, il doit être dans le jus là. J'ai la position actuelle de VR3. Papa. Snake, pour info, il faut quitter la zone. Bonsoir. La zone va... Salut. Tu m'as bien découpé, hein, petit cochon. Qui? Toi? Ah, c'est pas moi. Oh, si. Alors. Ah, non, c'est... Vous vous battez quasiment avec le VR. Ah ouais, bah bravo, hein. Ils ont bien réagi là. Du coup, tu continues à prendre, enfin encore une, on arrête là, c'est les minuit. Oui, oui, bah je vais les faire entrer. Oh, ok, ok. Ah bah du coup, ils ont fait péter, ça y est, la cage d'armes. Ils sont en train de la faire péter là. Ah d'accord, bon bah tant pis, je verrai pas la cage d'armes. Tu verras pas le feu d'artifice. J'ai que des lags depuis 10 minutes, oh merde, Avenom. Ok, bien reçu, VR3. Ouais, tu peux excuser. Non, t'as pas pris beaucoup de joueurs, si, quelques-uns quand même. Ouais, quelques-uns, très peu, je suis allé dire. J'arrive au VAB dans une minute, je pourrais faire un tour. Ah oui, oui, là, il t'a invité même. Ouais, oui, mais parce que j'ai. Enfin voilà, j'ai attendu un peu. Sur lui quand même. Ouais. Je suis allé sur lui, juste pour l'embêter quoi. Après, j'ai pris quelques personnages histoire de foutre un peu le bazar. Ouais, mais ça se voit quand c'est. Quand tu montes par exemple dans un étage, dans un bâtiment, l'IA le fait pas, donc ça, on sait que c'est toi. Ouais. Mais moi en fait on est arrivé comme des bleus là avec vodka sur au niveau de la cage d'armes pas loin et en fait au moment où on passe il y a un mec qui se lève sur un rocher, il me découpe et après il se recouche, c'était pas toi? Non. Ah ok, bah il a super bien réagi, hein. Franchement il nous a découpé tous les deux en l'espace de même pas 5 secondes. Ah ouais? Non, c'est pas vrai. Je suis pas coupable de ça. Ah bah ça s'est bien passé, c'est sympa. Ouais. Je sais pas de ton côté si tu t'es amusé, mais nous on s'est éclaté. Voir avec les autres groupes si ça a été, on va faire un petit débrief. Mais je sais qu'il y en a quand même eu des problèmes de connexion, de DS et tout ça. Ouais, je sais qu'il y a eu pas mal de déco, pas mal de problèmes. Mais bon, après, Derma, c'est quoi. Ouais. T'as enregistré un peu en vue du dessus Enfin, en vue de Zeus ou pas? Non. Non, je n'ai pas le temps. Entre la radio, vous surveiller, bref, tout faire. C'est... Non, ouais, c'est fait plus... chier, hein, fait chier que Wolf n'ait pas pu venir. Quoi. Ouais, à deux, ça aurait été plus simple. Non, bah j'imagine. C'est... Bon, c'est faisable, hein, mais c'est... Voilà, c'est normal, je peux pas faire poser la charge, j'arrive pas à poser. Ah, mais ils ont pas posé encore. Bon, bah, j'ai peut-être mon taxi qui va arriver. C'est dans ton animolette, tu peux... Attends, je vais prendre une charge. Ils sont en train de... Ouais, j'ai des infos de Snake comme quoi il arrive pas à poser en fait, papa. Ah oui. Les charges, c'est où déjà? Explo. Est-ce que je peux en prendre? Je sais même pas. Ça doit pas être là-dedans? Si, c'est là-dedans normalement, non? Dans Explo. Non, c'est pas là. C'est dans le gilet peut-être. Non, je pense pas qu'on mette les charges dans le gilet. Non, bah écoute, je sais pas comment il a fait Snake pour en prendre une. Yeah, salut Cédric. Quelle a été la première game de la team il y a 10 ans? Je sais pas, Vilhelm. Je t'ai répondu tout à l'heure, mais je sais pas. Il y a 10 ans, on en reparlera. Je te montrerai des vidéos après le live. Là, si t'es encore là, je te montre des vieilles vidéos. Il n'y a pas de charge dans l'arsenal là. Non, je suis pas sûr de pouvoir vous faire sortir de la grotte. Ah merde. Dark, t'es là ou quoi? J'aurais dû le prendre mon. Je suis couché. Ok. T'aurais pu me dire, hein, je serais venu. Ouais, tu peux toujours venir. Ah mais... Conducteur ? Moteur en route, merci. Allez, salut ! Je sais plus si je t'ai dit bonsoir, Cédric, salut à toi.
Bah je trouve pas le VAB hein, donc la main J'arrive avec un VAB. Ok. Snake l'a activé la bombe, on l'entend pas très bien mais elle a activé la bombe. Ah y'a un quad là. Je sais pas ce qu'il fout là. Ah je vais arriver, je vais juste faire le taxi les amis là. Après ça sera pas forcément les premières parties mais ça sera peut-être les premières parties filmées. Ça avait été filmé par juste Spocky d'ailleurs. C'est quel camp de bande celui-là? Snake, ça a pété, c'est bon? Ça a pété, la mission est une réussite. Bravo! Okay, ben. Deck de pas avoir vu la fin. Bon, en tout cas, j'espère que ça a plu à tout le monde. Moi, j'ai passé une bonne soirée. J'espère que vous aussi sur le live. Attends, je me suis barré où là? Le mec, il est perdu, tu sais. C'est pas par là, ça c'est sûr. Sur ta gauche, le bas. Merci, French. C'est mon GPS, mon gars. Ouais, Snake, retour RTB. Les gars, équipe 300, équipe 600, retour au VAB et retour à la base. Vous avez été magnifique. Merci, chef. Bon, je vous attends surtout au niveau des rochers. Vous reprenez le même chemin que vous êtes venu là au niveau des rochers et je vous attends en VAB derrière, je fais le taxi. Merci. C'était topissime. Yes, il faut aider Ragboy, il est bloqué dans la grotte. On peut rien faire pour lui. Oula. French, tu nous rejoins? Tu vois le VAB là? Il y a de l'orage. Ouais. Si ça t'a plu, Avilum. Pauvre Rack. Bon, bah, je serais au moins venu pour faire le taxi. Attention, ce VAB est réservé à Bravo. Hein. Je répète, oui, Bravo, d'accord. T'es pilote, c'est ça? Ouais, je suis pilote. Du coup, à compter de toi, c'est pas possible. Non, non, tu pourras pas. Donc, bah, tu vas te bugger, ouais, passe à l'arrière. Oh là, ouais, l'orage. Ah ouais, l'orage, je pense, là, c'est le truc là, de rester dehors. Bon, ils ont réussi à faire péter, c'est bon? Normalement, ouais. Sympa la place de gunner là où tu es. Sympa pour prendre une tête. Moi aussi. Je pense pas que je puisse traverser la rivière avec ce véhicule. Je pense que si en fait. Hein. Ah bon? Ah non, il a pas les. Il a pas les hélices. Ah normalement, il y en a, ils ont des hélices. Ouais, mais c'est pas ça. Ok. J'ai un ras le bol de faire traverser. Ah, c'est quoi qui m'a dessoudé, moi, Tipex à l'heure là? En fait. 300-600, vous êtes où les gars? Au niveau du VAB, on t'attend derrière les rochers, là, tu sais, la rivière, on a traversé la rivière. Tu fais le même chemin que par lequel on est venu. En fait, quand on a traversé comme des nazes, ouais. À droite, il y a un mec, il s'est levé, il nous a découpé, il s'est replanqué derrière le rocher. Tu l'as eu? Non, non, moi je me suis fait découper aussi. Ah ouais, d'accord. C'est Chrisax qui l'a eu après. Mais tu sais que là, je viens de me faire tuer parce qu'il y avait un mec qui était encore en vie dans la zone, il y avait tout le monde qui passait à côté, je l'avais pas vu quoi. Et pour un fou, c'était pas papa, la réaction était. Non. Ah ouais, c'est encore. Ah ouais. Ah, du coup, j'ai pas vu la fin. Pied, là, et j'ai pas retrouvé l'ancien VAB, du coup, j'ai pas réussi à le trouver. Du coup, ouais, moi aussi, parce que j'avais garé et tout, je l'ai disparu. Ah bon? Ouais, il y a peut-être des pop, ouais, où on se les fait chourer, je sais pas, mais. Bizarre. Du coup, j'étais un peu déçu. Il y a une autre mission derrière ou... Non, non, on va s'arrêter là. Il y avait 6 missions de prévues, mais en fonction du temps de jeu et tout ça. Donc là, on va retourner à la base et un petit débriefing de papa. Là. Puis après, on se fera des vidéos nostalgie si vous voulez. GG les gars. GG. D'ailleurs, le chapitre 2, non, vous avez été beau, vous avez été magnifique. C'est bon, tout le monde est là ou quoi?
C'est bon. Normalement, c'est bon. Ouais, allez. On est sur le moment de la soirée, tout ça. Allez, RTB. RTB. Petit débrief. Oh, oh. C'est qui ça? Il faut jamais faire ça, mon ami. C'est moi qui l'ai tué. J'ai dû fermer la porte et il y a un gars qui a dû fermer, ça m'a jeté. Lui fermer la porte, il s'est fermé avant lui. Ah, j'ai vu un chien. Ah, du coup, il a clic sur éjecter. Ah bah, du coup, il est mort 10 fois ce soir. Ah ouais, c'est une catastrophe. Et Dark, il a pris ta place. Ouais, je suis content. Les joueurs d'Arma. C'est bon, je touche plus à rien. Mon père, ça partait d'une bonne attention. Qu'est-ce que vous faites là? Je vous touche même pas. Quelqu'un a ouvert la porte, là. Regarde. Ouais, je connais. Oh, l'Olivier, ça sent la permission. Bon, elle est où, la base? Moi aussi, mais viens en fait. Mais c'est à la blague. Non, mais. T'as confiance. Non, mais. Regardez, 3 lives, c'est pas évident, c'est sûr. Non, c'est bon. Écoute, je suis pas. C'est quoi le frein à main déjà? 2 fois V, ok. Dérapage. Attention. Passe pas derrière. Le mec est mort. Ouais. C'est qui? Mais ils descendent, pourquoi ils descendent? Il a fait 2 fois V, c'est ça? Non, moi je courais, puis il a fait la manœuvre sur ma gueule. Bon, allez, petit débrief. Et les gars, 306, vous dépêchez là. Et nous on marche, hein, c'est bon, on est fatigué. On est pas pressé, nous. Nous on est suisse là. On a fait qu'un tiers là. On a fait qu'un tiers. Moi je veux mon VIP. On vous entend, hein? On vous entend, les mecs, hein? Ah merde, elle est truand. Eh les gars, on pourrait jeter une grenade dans la base. Eh ouais, et si on jetait une grenade? Et vous êtes à l'intérieur de la base? Trop, j'ai tous une grenade. Non, mais en fait, je vais expliquer que si là vous jetez une grenade, vous mourrez en fait. Parce que je crois que c'est considéré comme un tir. Ah oui, c'est une zone. Attendez, je vais essayer. Ah oui. Tu peux essayer, tu vas mourir. Enfin, moi, attends, c'est comme si rien, ça. Non, c'est pas ça. Attends, Snake. Papa va nous faire un petit débrief. Ah, pardon, papa. On vous écoute. Allez, je vous fais juste un petit débrief. Donc, ça s'est pas trop mal. Attends, mets-toi en voix forte, papa. Mets-toi en voix forte. Attends. Bah, ça va, merde. Cool. Du coup, je me trompe. Voilà, je suis en fort là. C'est ouais. Tout le monde entend? Ok. Faut s'approcher. Asseyez-vous, non? Juste, vous avez eu beaucoup à faire en fait à de l'IA, contrairement à ce que certains croyaient où j'étais en permanence à vous emmerder, c'est pas le cas, je vous ai embêté mais qu'un tout petit peu. Les réactions ont été pas trop mal, pendant un moment il y a eu un petit flottement, les équipes se sont un peu dispersées sur la map, c'était un peu le bordel, puis vous êtes repris assez vite.
Vert 3 a fait du bon boulot dans son coin là, pendant que Vert 1, je sais pas ce que tu foutais, mon pauvre ami. Pendant un moment, j'avais pas de nouvelles de toi, je sais pas où ce que tu faisais. Attends, je sais pas où tu étais. Vert 2. Vert 2, bon. Non, non, Vert 2. Qu'est-ce que tu dis sur Vert 2? C'est bon, c'est Vert 2 quoi. Vert 2. Non, non, je plaisante. Non, non, sans déconner, vous êtes pas trop mal comporté. Pour quelqu'un, enfin pour des équipes qui ne jouent pas souvent ensemble, à part bon pour les gars de la team, mais sinon pour les autres, c'était plutôt pas mal. Il y a eu des bonnes réactions, les approches étaient plutôt correctes, donc c'était plutôt pas mal. Donc bah pour ça, merci, merci à vous. Et voilà. Rag, t'as vu, ils viennent de valider ma stratégie du lionceau sauvage. Donc j'avais dit que c'était une bonne stratégie. Carrément, j'approuve. Total. Surtout qu'on était, dans les champs et tout, c'est. Ouais. Bon, moi en tout cas, j'en profite juste. Je prends la parole, je me permets, après le briefing de papa. Je prends la parole juste. Merci à tous déjà d'être venus, d'avoir accepté l'invitation. Non, ouais, pour Arma, c'est fini, ouais. Après, on peut se faire des vidéos nostalgie ou autre. Moi, j'étais parti encore pour 3-4 missions. Attends, mais j'ai ouais, pareil, j'étais chaud. Après, si vous voulez, on peut continuer. Hein, mais il se fait minuit. Si vous voulez, on peut continuer. Mais après, je sais pas si on sera tous. Tout ça, j'ai réveillé qui sonne à 5h. Mais il y a d'autres missions peut-être. Vas-y, Snake. Mais en fait, j'ai une question, ça peut paraître bête, mais en gros, vous êtes comme Battlefield, vous êtes comme comment ça s'appelle Battlefield, là, vous faites des maps de baiser pour exploiter genre une map de Call of. Ouais, pour info, Snake, tu sais quoi, il y avait 6 missions de prévues. Ah, okay. Mais en fait, en fonction du temps qu'on met pour les faire. Attends, tu dis qu'on était lent là ? Ouais, on était lent, d'accord, on a compris ça. C'est ça, ouais. C'est ça. En vrai, ouais, les gars, vous avez fini l'objectif, vous avez qu'un, maintenant vous rentrez chez vous. Ah, avec plaisir, avec plaisir. Avec grand plaisir. Ah, oui, c'est sympa. Ouais, donc juste, ouais, je termine après, on vous laissera la parole sur votre ressenti. Ouais, merci à tous d'avoir répondu présent, parce que ça fait nous quelques semaines qu'on se dit, enfin quelques mois qu'on s'est dit, faut fêter les 10 ans. Malheureusement, tout le monde ne pouvait pas être là. On n'avait pas Evil, un des tauliers du Derima, le fondateur du Derima avec un autre qui est plus dans la team, qui ne pouvait pas être là ce soir. Donc, il vous fait des gros bisous. Pareil, Wolf, du coup, qui a eu un empêchement, qui ne pouvait pas venir. C'est pareil, il est là depuis très longtemps. Et voilà, c'est dommage qu'il n'ait pas pu venir ce soir. Donc, on a d'autres membres de la team. Et aussi une grosse pensée, voilà, comme je l'avais dit au début de live. Une grosse pensée à Faya aussi qui nous a quitté, je crois, il y a 2 ans ou 3 ans, je sais plus exactement. Donc une grosse pensée à lui. Et merci encore à tous. Et voilà, bon, après on s'en fera d'autres, hein. c'est pas une fin, mais ça fait super plaisir. Moi perso, j'étais super content de vous avoir tous. Et merci aussi, je pense aux guests qui se sont libérés pour ce soir. Je pense à Seros, à Ragboy et à Snake. Merci, merci de votre présence, parce que voilà, même si on n'a pas beaucoup joué ensemble. Vous faites partie de l'histoire de la team, parce que voilà, on vous a rencontré sur Arma. Et merci aussi à tous les abonnés qui ont répondu présent, que ce soit sur le live ou sur la partie tout simplement. Merci à tous, parce que voilà, on sait que vous êtes là depuis longtemps et ça fait plaisir de pouvoir jouer avec vous. Et bah voilà, comme a dit Snake, ça sera partie remise, il y en aura peut-être d'autres et on s'organisera ça. Donc on espère que vous répondrez encore présent. Après, je sais pas si... Snake, voilà, vas-y. Allez, vas-y. Ouais, dis-nous ton ressenti. Vas-y. Merci. Déjà, je pense que peut-être qu'il y en a qui ne me connaissent pas, mais moi, je m'appelle Snake. Je suis streamer à temps plein, c'est mon métier. Bonjour. Après, Snake, c'est l'heure d'appeler. Enchanté Windows. Mais c'est pas Windows, ouais. Il est attiré en l'air. N'oublie pas d'installer Red Shadow Legion. Ah non. Il est camouflé, il a changé de pseudo. Je voulais... Écoutez... Écoutez-moi, putain, laissez-moi parler. Non, plus sérieusement, merci. Pense pas de ma coupe de cheveux, Snake. Regardez-le. Il peut même pas placer une jarre. c'est le but. Allez, vas-y. Non, plus sérieusement, je voulais quand même remercier les gars là du Derima, en l'occurrence Tipex et tous les autres qui malgré le fait, tu vois, que je suis parti et maintenant il y a quelques années de cela, pour ceux qui savent pas, en fait, genre, je faisais partie initialement du Derima. C'est grâce au Derima que je me suis lancé sur YouTube, parce que en vrai, il y a beaucoup de gens qui ne savent pas, mais à la base, je me suis lancé sur YouTube, c'est pour lancer. J'ai créé une chaîne YouTube, c'est pour garder, tu sais, en souvenir nos parties, tu vois, et garder en fait des parties comme celle que on vient de vivre en ce moment, ce soir ensemble. Et l'idée, c'était de garder en fait un souvenir de ces parties et pouvoir essayer de les revisionner, genre pas plus tard, dans 3, 4, 5 ans. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on va faire ce soir, je pense, avec certains d'entre vous. Et en fait, ce qui est cool, c'est que
10 ans plus tard, en fait, genre, on est encore là, et, enfin, pour le coup, je fais plus partie de la team, mais en vrai, le cœur fait encore partie un peu de, genre, du Dorima, et sera toujours fait partie, sera... Le Dorima fera toujours partie intégrante dans mon cœur, et c'est quand même super cool à vous d'avoir pensé à moi et de m'avoir invité, et du coup, bon, vous avez quand même été sérieuse, bon, c'est pas très grave. Attends, tu veux qu'on tire en haut en même temps là? Attends, oui. Je suis allé. mais plus sérieusement, merci du fond du cœur, les gars, pour cette invitation. Merci d'avoir pris le temps de monter une mission pour les 10 ans d'Adorima. C'est trop cool. Et en vrai de vrai, qu'est-ce qu'on va faire? La prochaine mission qu'on fait, ça va être un peu plus chaotique. Mais en vrai, on va essayer d'inviter masse monde, tu vois, des gens qui voudront jouer le jeu et qui voudront faire, tu sais, genre l'émission et faire partie un peu du truc, et on pourra genre monter un petit peu, tu sais, genre l'effectif et faire un truc encore, tu sais, de plus grande envergure, quand je vais arriver, et quitte même à louer notre serveur et tout, ouais, attends, je parle pas, genre, quitte même à louer notre serveur et tout, je sais pas, on verra comment on fera, mais en fait ce serait cool d'avoir, tu sais, une vraie logistique, tu vois, des mecs en hélico, des mecs en avion, des mecs, je parle sur le fil et tout, et je pense, genre, vraiment, tu sais, célébrer ça comme il se doit, parce que je trouve que cette année, c'est quand même les putains 10 ans d'être la deuxième Rima, et c'est important, genre, de marquer le truc comme il se doit. Mesdames et messieurs, merci du fond du cœur, je vais finir avec une seule phrase, un seul mot. Connaissez-vous Ratchet & Legends? Là, je crois qu'il allait dire... Ah, il a fini en beauté. En plus, avec le tube au milieu des jambes. Il y en a une grosse. C'était tellement beau. Là, il y en a une grosse. Pareil, si tout le monde qui mate. C'est Ross, c'est Rack, si vous avez des choses à dire, ou même si d'autres vous voulez en dire un petit mot. On fait le V. Ouais, Snake, c'est qui qui fait le ciseau là? Chacun son tour, les gars. Le non-respect, quoi. Ça te souille, Snake, ça te souille. On fait un V. Ton corps n'est pas respecté, frère. Ah, mais vous avez raison. Allez-y, faites-vous plaisir. T'as l'impression que le mec qui se suicide, c'est... Ah, c'était une super soirée, c'était super sympa. En tout cas, je suis très content d'avoir participé à ces 10 ans. Effectivement, ça manque un petit peu d'aérien, mais c'est pas grave. Ça aurait été avec plaisir de voir un Rafale, tu vois, ou un Caracal. Ouais. Ça aurait été top. Mais voilà, c'est que parti remis. Ah, merci, Rack. Ah, putain, on n'entend plus rien. Merci, sur tout le monde. Eh, hey, éteignez-moi ce VAB là. Ouais, je disais merci Rack, hein, d'être venu. Je sais que tu t'es libéré pour ce soir, et bah, c'est pareil, ça fait un moment qu'on se croise, et c'est vrai qu'on n'a pas trop joué ensemble sur Arma. Enfin, moi, je parle personnellement, même avec la team. Et ouais, c'est dommage, quand j'avais mon serveur, je vous avais invité. Et ouais, c'est ouais. Vrai que c'est... Il y a des sauvages dans la team, t'inquiète. Ah. tu vois, quand. Oh, mais arrêtez, bordel. Il y a des suicidaires ce soir. Ouais. Donc voilà, ça fait plaisir en tout cas. Bah, que tu sois venu aussi, Rack. Bien sûr. Et le réunionnais de la soirée, là, il est là. Wow, je me sens visé d'un coup, tout le monde me regarde. Il est tard là-bas. Merci. Attention, c'était mon chef. Moi, il est 2h24 du matin. C'est le retour du coup. Ouais, il est un peu tard. Et donc merci Tipex pour l'invitation, ça fait plaisir. C'est vrai que faut savoir que pour de vrai, j'ai rencontré Snaku sur jeuxvideo.com, sur un forum, parce qu'on faisait tous les deux la pub là-bas. C'est ouais, une mauvaise idée. Ça servait à rien. Et du coup, voilà. Donc, Arma, en fait, c'était vraiment pour ma chaîne, pareil, même chose. C'était vraiment un truc à jouer en équipe et à retenir. Et du coup, oui, forcément, quand j'ai commencé ma chaîne avec Arma, aujourd'hui, j'y ne joue plus. Donc, ça m'a fait super plaisir d'y retourner après 4 ans ou 5 ans sans avoir touché au jeu. Et surtout avec autant de gens qui sont motivés et avec. Bon, merci Rackboy, hein, pour d'avoir été mon second. Et officieusement le vrai capitaine de mon équipe. Merci Tipex. Ça on dit pas. Ouais, la technique du Lorso Sauvage, par contre. Mais bref. En tout cas, franchement, merci de l'invitation, et j'espère qu'on aura d'autres missions avec énormément de gens à tuer. C'est vrai, je sais pas si tu te souviens quand on s'était vu, quand t'étais venu là sur Paris là. On s'était dit on se ferait une partie d'Arma. À Burger King. Ouais. Ah, tu fais de la pub en Burger King. Oh, sans les potes, les bâtards. McDo, quick. On s'était vu, Snake, le soir on s'était vu. C'était Burger King, les gars. Ouais, c'était Burger King. Ouais, carrément. Et du coup, on s'était dit qu'on se ferait une sortie sur Arma, et ben voilà, elle est faite. Ah,
Oui, sur Panacota. Panacota, ouais. Attends, comment il s'appelle? Je sais plus c'est quoi le nom du coup. Tanoa. 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 Panacota. C'est la personne. Écoutez, voilà. Bref, le DLC est sorti il y a 4 ans, quoi. T'es sérieux? Ah ouais, c'est ça. C'est ça. Mais les gars. Bon, t'as vu, je prends du temps, mais je fais quand même. Attends, Snake, il veut faire un BK, je crois. Non, mais je note que vous avez fait un BK sans rendre des pattes. Voilà, juste, je note. Voilà, juste, ouais, tu sais, t'étais où, Snake, toi? T'étais dans les stands de la Paris Games Week. Exactement, ça. Ah ouais, ok. Ça attend que je sois à la Paris Games Week pour faire des trucs. Non, mais ok, je comprends. Je comprends très bien. Ok. Non, mais la prochaine fois, on se fait ça. Il est jaloux, Tipex. C'est rigolo. Ah ouais, moi, je suis déçu. Non, pleure pas, Snake. En tout cas, c'était un plaisir. Ah merde, encore un souci d'air. Allez, ouf, c'est personne. Ah, il a qui est tombé dans le coma. Non, lui, t'inquiète, c'est juste le fait de voir un mort. Il est tombé dans le coma. Les gars, Black Lives Matter. Alright, man. Non. Zunga, une photo souvenir. Une petite photo. Ah oui, c'est vrai, ça serait bien ça. Ouais, une photo. Ah, ouais. Relevez les morts, les gars, relevez les morts. J'avais fait ça pour mon bac. Venez vers moi, venez. Mettez-vous devant le VAB là. Ok. Ouais, c'est pour ça que j'ai ramené le VAB. Ah, French, super. Il avait anticipé, GG. Bah, ouais. Mettez-vous devant le VAB. Allez, première ligne. Ah, laissez les pneus du VAB. Arrêtez de vous suicider bêtement là. On va mettre 2 heures à prendre une. Bon, pour info, ça sera la miniature de tout le monde. Hein. En plus, papa, il fait des super photos. C'est qui est devant là? Ah, c'est moi, hein? Mais. Ah! Mais non! Prend la photo. Non, mais c'est Zeus qui prend la photo! Non, c'est. Viens là, plutôt! Viens dans les ronds! D'accord! Allonge-toi! Tu veux qu'on sache que tu sais? Que c'est toi là? Ah oui! Attendez, il me fait de l'ombre là! Oh. Allez, c'est bon, faites un sourire! Je sens qu'il y en a un sale américain, c'est Snake! Voilà! C'est bon! Allez, cheese! Ben bon, allez dans la boîte. Fromage. Impeccable. Ah bah merci beaucoup. Trop bien. Merci. On peut prendre la photo pour ce soir ou demain ou un truc comme ça. Ah bah non, pas une fumée. Non, même pas une fumée. On n'a pas le droit à les fumer. Même pas le droit aux fumées. Ah rien. Tu te cannes. Et on peut claquer une light. Attends. Rien. Une chem light. Tu poses tes jumelles par terre, t'es mort. La fumée, c'était pas forcément une bonne idée. Hein. Ah, ouais. Attends, si on lance de la fumée depuis l'extérieur. Merci de la base. À tous pour la soirée, bonne nuit. Merci à vous. On dit qu'il y a une taxe sur la photo. Bonne soirée, bye bye. T'as dit quoi? Attendez, les gars, attendez. Attendez. On dit qu'il n'y avait pas une taxe sur la photo. Oh merde, tout le monde s'est déconnecté. Bon bah, avec. Ah bah, il est parti, ouais. On fait montage, les gars, ça se fait. Pourquoi il est au tac? Il est au BG, t'en rajoutes un et c'est bon. Ouais, bon. Au tac, tu seras sur le. On te mettra en. On dira que c'était le deuxième à droite. Puis ouais. Il n'y a pas les noms de toute façon. Attendez, c'est moi le deuxième à droite. Ouais, il est grave belle. Ouais, s'il te plaît. Ouais, je file. Bonne soirée. Ciao. Merci, Rakin. Hein. Salut à toi. Vivement les 20 ans. Ouais, Djibout. Dans 10 ans. Dans 10 ans. Dans 10 ans. T'es prêt? Dans 10 ans. Dans 10 ans. 3, 2, 1. Bam. Ah la roulette russe. C'est quoi les couilles? C'est vrai. Test de confiance, ok? Test de confiance. Écoute-moi. Si tu ouais, je t'écoute. Ça veut dire que tu me fais pas. Ah non, vous savez quoi? Les gars, tous ceux qui sont dans la base là. Test de confiance, ok? Juste voir. À zéro, tout le monde tire, ok? Ceux qui tirent pas. Ok, à zéro, on tire, ouais. Écoutez, ceux qui tirent pas, c'est vraiment des gens qui ne font pas confiance. Normalement, tout le monde tire. Est-ce que toi, tu vas tirer? Non, c'est ça. Moi, je vais pas tirer parce que je veux voir. Ouais, papa, c'est le témoin. Papa, c'est le témoin. Papa, c'est le témoin. Je filme, les gars. Ouais, on est plus vas-y, tout le monde tire. Vas-y. 3, 2, 1, 0. Lève ton arme. T'es sérieux ou quoi? T'as pas levé ton arme. Ouais, mais. C'est des chiens, vous. Mais non, t'as pas levé ton arme. Ah non, mais malin. Je tirais pas moi. Ah, j'ai pas entendu ça. Réveille-toi. En gros, les mecs qui sont debout, c'est le de Rema, on est d'accord? Ouais, c'est vrai. Il a bien marché, hein. Et les mecs malins. Ouais. C'est chaud là, qu'est-ce qui s'est passé? On a éternué avec Corona. Yes, Rémi. On a éternué dans la RERB et quel Corona? Tu vois ce que ça fait? Ah, fuck, gars, c'est trop tôt. C'est une secte.
Il y a un mec là-bas qui part en stip, je crois que c'est Snake. Ça m'étonne pas, il est parti. Il va nous tirer dessus de l'extérieur de la base. Allez, j'y vais. Bon, je sais pas si ça vous dit, on va se faire une petite séance vidéo souvenir. Faut que je le chope l'autre là-bas, là. Ah, il est mort aussi. Je crois que ça marche pas, chef. C'est pas assez loin. Ouais, c'est un rayon. Bon, ça a été... c'est Ross. Pas trop de... pas trop de soucis. Ah, c'est Ross. Bon bah, bonsoir à vous. Ah, ça marche. Ça marche pas. Il peut nous tuer en voiture. Enfin, en VAB. Je demande un tir d'artillerie. Ah oui, relève-toi. Relève-toi, soldat. Ah, il a pris un éclair. Dieu est avec nous. Merci Dieu. Merci mon Dieu. Zeus est là. Zeus a frappé, les gars. Oui, parce que pour ceux qui savent pas, en fait... Ça a coupé, ça. Ça a coupé, ouais. Ça a coupé, ouais. Bah, Zeus, il est méchant. Je commence à parler à mes abonnés et ah, okay, d'accord. Je vais pas parler à vous, en fait. Ok, ok. Je me suis trompé. J'ai appuyé sur le mauvais bouton. Hey, Snake. Expliquer le mode Zeus à tout le monde, en fait. Ouais. Ah, tu es 100 fois sur le toit. Oui, là, oui, oui, ça va, je suis là, là. Là, 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 regarde, recule, recule. After explosion. Merci, Tipex, pour l'invitation. Oh, merci à toi d'être venu, hein. T'as fait plaisir. Ouais, c'était super. Bon, en fait, du coup, je t'ai pas vu de la soirée, mais. Ouais, c'est vrai. La prochaine fois, on essaiera de faire ensemble. C'est vrai que c'était pas facile de faire les groupes. Ouais, c'est ça. Si t'as pas dérangé d'être chef de groupe. Boy, il m'a aidé pendant tout le long. Ouais, c'est pour ça que qu'on l'a mis avec toi. Ah, t'as bien fait. Tu m'as vu qu'un pro, du coup, il nous a bien dirigé correctement. Ah, c'est vrai qu'on s'est pas croisé, ouais. J'ai pris le rôle, tu sais, genre de l'officier, tu sais, donc c'est cool. Ok, bah, du coup, je regarderai ta rediff pour voir comment ça s'est passé de votre côté, là. Ok, ça marche. Tu verras que Tib il a galéré de ouf avec son. Moi problème. J'ai découvert la marche dans la pampa. Ouais, pareil, moi j'ai ça j'ai donné. Ah ouais, bon, en tout cas, prenez un quad, ils explosaient. Reprenez un quad, ils explosaient. Ah merde, tu les as pris ou les quads d'ailleurs plus, tu les as mis, c'est plus safe. J'ai pris une tête après. Ah, c'était dangereux le chemin pour venir. Un tout petit peu. Ouais, c'est ça. Et un peu loin, ouais. Du coup, en fait, ce qui est marrant, c'est que nous on est arrivé directement sur la bonne base. Oui. Et c'était rempli d'ennemis, c'était juste insane quoi. Vous êtes fait découper. Direct, non, ça glisse. C'est pas vous qui vous êtes fait découper. Allez, t'as raison. On est rentré dedans, on a résisté un petit peu quand même avant. Non, c'est on a tué pas mal de monde. Et on a explosé. Moi j'ai explosé personnellement devant une porte. Et toute la team m'a suivi juste après parce que on est comme ça, nous chez les VR3. Tout le monde meurt. Main dans la main. Quand il y a un qui meurt, tout le monde meurt. Quand il y a un qui meurt, tout le monde meurt parce qu'on se retrouve tous ensuite en réunion dans le VAP. Tu vois, donc du coup, voilà quoi. Non, en tout cas, c'était un plaisir. Ils se sont fait contourner par une IA. J'ai suivi en live. Ils se sont fait contourner par une IA. Elle les a contournés, elle les a découpés les quatre. Ah. Je pensais que vous avez pris contrôle en fait de. Ah non, c'était pas de ça. C'était une IA qui vous a contourné. Putain, toute seule quoi, frère. Ouais, comme toi. Ils sont intelligents. Non, moi aussi, je me suis fait découper par une IA. Impressionnant quoi. Donc en tout cas merci pour l'invitation les gars, c'était super sympa. Ouais. Au plaisir. À bientôt, peut-être, on se refait ça, ouais. Totalement. Allez, à plus bon. Les amis, merci. Ouais, bon bah c'est Ross out. Hein. Bah c'est Ross out. Ouais, ciao tout le monde, salut. Salut. Ciao. Salut. C'est pratique pour se déconnecter. C'est clair. Bon, en tout cas c'était super papa, merci pour la mission.